Je suis revenue. Hein? Choma, bienvenue. Hein? Comment ça, bienvenue? Attends. Ne me dis pas que tu étais allée à la cuisine et tu as pris toute la nourriture. Ce n'est pas ça, oh. J'ai très faim, voilà pourquoi j'ai pris un peu de nourriture. Tu as pris un peu de nourriture. D'ailleurs, donne-moi ça. Choma, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Tu vas manger plus tard. J'ai très faim. D'ailleurs, lève-toi. Lève-toi. À la maison. Avance. Je ne veux plus te voir de ses côtés. Quand ma maman reviendra, je lui dirai de te faire sortir de cette chambre et de te placer de l'autre côté là-bas. Tu te crois vraiment tout permis. C'est pour ça que tu es allée à la cuisine et prendre toute la nourriture. Attends que ma maman revienne. Idiote. Regardez-la. Attends, tu verras. Choma, donne-moi la nourriture, s'il te plaît. Yebi kosao, ibina bo. Yebi kosao, ibina bo. Odogu, oh oui. Je suis déjà en train de laver ta face. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis toujours prêt pour tout ce qu'on peut faire. Ah oui, il faut toujours être prêt. Ah, c'est ça, mon frère. Hey, c'est-tu ce dont j'ai besoin, Uche? Quoi? Une fois que nous arrivons à la maison. Je vais aller à la boutique, acheter du vin de palme, des noix et tu connais la suite. Je sais que tu prends plaisir à un homme, c'est fait pour ça, voyons. Qu'est-ce que c'est beau d'être un homme. Hein? Jésus, oh. Je vois que tu es vraiment aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hey, du vin de palme. Bam, je vais acheter mon argent. Je vais économiser pas mon comme argent. Toi. Toi, garde ton argent si tu veux. Garde ton argent. Moi, je vais en faire autre chose. Ça va toi? Ah, tu vas bien? Je vais bien, merci. Quoi encore? Tu sais vraiment que la vie est mystérieuse. Qu'est-ce que tu veux dire, Uche? Comment une jolie fille comme celle-là peut être aveugle? Oh, Uche, c'est seulement aujourd'hui que tu l'as vue? Non, 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 pas du tout. Je me demande juste, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh Seigneur mon Dieu, tu m'interroges moi ou c'est Dieu que tu interroges? Mon cher, est-ce que tu comprends oui ou non? Pourquoi tu es trop insensible jusqu'à ce point? Bien sûr que j'ai aussi des sentiments mon frère. C'est tout le monde ici qui sait qu'elle est née aveugle comme ça, depuis le sein de sa mère. Ah, c'est quoi cette histoire? Il y a des personnes normales, d'autres sont aveugles, alors c'est toujours comme ça mon frère. Toi et moi sommes assez chanceux d'être nés comme ça et nous nous battons. Le sort de chacun est différent. Il faut éviter de trop réfléchir comme ça mon frère. Ah. Je pense que tu as raison, c'est la volonté mais de Dieu. Mais voilà même, hein? Ah, d'accord, on y va. Allons-y seulement. Toi vraiment, l'homme sensible. MRA. Ah, Nina. Hein? Mais pourquoi tu ne m'as pas attendue? Je suis désolée, je ne pouvais pas attendre. J'ai très très faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que ta belle-mère avait cuisiné ce matin. Si, elle l'a fait. Tu connais très bien mon combat avec Choma. Tu sais très bien comment est-ce qu'elle me fait beaucoup souffrir. Elle ne me laisse jamais tranquille, celle-là. Choma n'aime pas me laisser en paix dans cette maison. Elle aime seulement me provoquer. Mais pourquoi ta demi-sœur te traite comme ça, hein? Mais je n'ai pas envie d'en parler. J'ai très faim. As-tu la nourriture? Oh, tu n'as pas besoin de pleurer, ok? J'ai quelque chose pour toi.
Tu sais que je suis là pour toi. Es-tu sérieuse? Je suis là. D'accord. J'arrive. Ok? Ok. Oh, maman. Hein? Dieu merci, tu es revenue. Je t'attendais depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, maman, non. Hey, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas que c'est cette stupide fille de Nena? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ah, maman, mais c'est quoi cette question? Tout ce qu'elle fait est mauvais. Quand je suis revenue, je l'ai trouvée en train de manger. Elle a pris toute la nourriture qui était dans la cuisine. Elle n'a absolument rien laissé, maman. Ma nourriture? Oui. Où est-elle? Nena! Nena! Nena, où est-elle partie? Nena! Hey! Maman, Nena! Mais tu ne comprends pas ou quoi? Elle s'est enfuie, elle n'est pas là. Hein? C'est depuis longtemps qu'elle était partie, elle n'est pas là. Oh. Je vais tuer cette fille aujourd'hui. Elle a mangé toute ma nourriture. Je n'ai rien à manger aujourd'hui. Hein? Quelle audace! Nena! Nena! Merci énormément. J'espère que ça va. Oui, je me sens bien, merci. D'accord, pas de problème. Ok, je vais déjà partir. C'est bon. Alors, laisse-moi t'accompagner. Non. Rappelle-toi que tu as un rendez-vous avec Maze Ojoku. Ah. Oublie ça, s'il te plaît, c'est pas très important. Ça peut attendre. Ah non, j'insiste, non. Ah. Tu sais, ce n'est pas bien de faire attendre un adulte. Hein? Dès que tu vas finir avec lui, tu pourras passer à la maison. Je vais t'attendre. Es-tu sûre que ça va aller? Oui, ça va aller. C'est bon, pas de problème. Mais promets-moi que tu prendras soin de toi. D'accord, je prendrai soin de moi. D'accord. Merci, c'est gentil. Mon ami. Oui, allez. D'accord, bye, c'est bon, ma chérie. Oui. Au revoir, bye bye. Oui. Merci. Au revoir. D'accord. Maman? Maman? Hein? Celle que tu cherchais est là. Elle est revenue. Hein? Elle est là. Viens voir, la voilà. Ok. La voilà. Allez, descends ici, descends. Toi, Bartimé, tu blagues avec moi. Tu n'as plus de respect, hein, toi, cette fille. Hein, toi, tu n'as plus de respect pour moi. Je ne comprends pas, comment maman. Tu vas comprendre? Donc, après que j'ai dépensé mon temps, mon énergie et mon argent de mettre la nourriture à la table pour tout le monde, tu as mangé ta part, la part de Chioma. Tu prends aussi la mienne. Ah, maman, non, je n'ai pas fait ça. J'avais déjà la nourriture pour manger et Chioma me l'avait ravie. Voilà pourquoi je t'ai partie. Tais-toi! Regarde comment elle ment. Hey! Maman, cette fille est une sorcière. Une vraie sorcière. Donc, tu veux maintenant m'attribuer la faute? Tu es culottée. Regardez-la. Hey. À toi un instant. N'est-ce pas que je t'avais trouvé en train de manger? Est-ce que je mens? Hey, Chioma, tu es en train de mentir. Dis-moi la vérité, non? Hey. Ok, bien, laisse-moi l'interroger. As-tu mangé la nourriture, oui ou non? J'avais pris un peu. Menteuse. Ah, maman, s'il te plaît. Maman, pas comme ça. Arrête, utilise ça. Prends ça, utilise ça. Je vous en prie, maman, s'il te plaît. C'est ça, pas mangé. Pourquoi tu n'as pas mangé? Fouette-la. Pourquoi tu n'as pas mangé? Maman, s'il te plaît. Menteuse. Ferme ta bouche. Tu mens comme tu respires. Insensé. Tu as mangé ta part, la part de Thioma. Tu manges encore la mienne. Tu ne sais rien faire dans cette maison. Si ce n'est que manger. Idiote. Tu deviens un cas social, cette fille. Je vais maman te dire. Ah maman. Toi. Oui, oui. Continue, maman. C'est ça. If you see a blind girl, help her.
She need your help. She need your help. Don't scare her away with your evil act. Makaifa ja imbenonisi. Bachufu kimere. Chidiya kimere. Nobody knows tomorrow. She don't want any trouble. Qui est-ce? Qui est-ce? Il y a quelqu'un? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec mon eau qui était dans les seaux? Qui gaspille de l'eau comme ça? Maman, je ne sais pas. Je suis venue prendre mon eau pour aller me laver et j'ai constaté qu'il n'y a plus d'eau dans les seaux. Donc, tu veux dire que de l'eau s'est renversée de soi? C'est inconcevable. Maman, je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé, mais je suis sûre que quelqu'un l'a fait. Seigneur mon Dieu, il n'y a plus d'eau dans ce tonneau. Nena, peu importe tout ce que tu vas faire, rassure-toi de ne pas toucher de l'eau dans ce tonneau. Tu m'écoutes? Si Maman. Tu veux prendre la douche, prends ces seaux, va pousser de l'eau à la rivière. Tu gaspilles de l'eau inutilement. C'est quoi ça? Allez, tiens. Tiens les seaux. Tourne-toi, va à la rivière. Va chercher de l'eau pour ta douche. Maman, c'est va bon, compléter cette eau que tu as renversée. J'ai entendu. Je pars m'habiller alors. As-tu engagé une bonne en permanence ici pour tes besoins? Va remplir cette eau. N'importe quoi. Tu renverses de l'eau sciemment. Ah. N'importe comment. Maman, mais dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Demande, qui a renversé qui de l'eau comme faire ça? Si ce n'est pas la non-voyante. Hein? J'étais à la maison. J'ai entendu le son de quelque chose qui est tombé. Je viens... Je vois de l'eau renversée partout. Rassure-toi qu'elle remplisse ses tonneaux. Est-ce que tu m'as entendu? Pas de problème, laisse-moi m'occuper de ça. Après, tu vas aller chercher pour moi le bois de chauffage. Maman, mais rassure à ce qu'elle puisse aller à la rivière, pas de problème. Mais aller chercher le bois sous ces soleils... Ah, maman, désolée pour ça, je le ferai demain. Demain, je le ferai à la première heure. Peu importe, surveille-la. Elle doit faire le plein de ses tonneaux. Ça, c'est mon travail. Hein? Nena! Où est-elle? Nena! Cette fille est vraiment insupportable. Tu me cherches vraiment de problèmes. Ose les répéter encore la prochaine fois. Je serai là en train de surveiller. Voir comment tu vas les remplir. Sinon tu vas crever de faim dans cette maison.
Toc, toc, il y a quelqu'un? Oh, oh, Chioma, comment tu vas? Tu n'es pas une aveugle, donc tu peux très bien voir que je veux bien. Oh, dans ce cas, je suis désolée. Si tu es là pour Nena, sache que le parti à la rivière puiser de l'eau. Hein? Puiser de l'eau, où c'est? Tu me demandes? Tu me demandes? C'est à moi que tu poses la question. Comment ça? Où est-ce que nous partons puiser de l'eau dans ces villages si ce n'est pas à la rivière? Chioma, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Mais comment est-ce que tu peux la laisser aller puiser de l'eau à la rivière pendant que tu sais qu'elle est aveugle? Oh, tu es très stupide. Qui est censé puiser de l'eau pour elle? Donc elle ne peut pas aller puiser de l'eau? Vous devez vraiment arrêter avec ça, c'est pas bien. Dégage de la pauvre idiote. Madame, je sais tout. Idiote. Hein? Hé! Hey! Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'était qui la voix que j'entendais à partir de la maison? Maman, c'était la voix des Méré. La folle. Cette écrévisse. Qui... Elle veut quoi? Elle était venue chercher Nena. Alors je lui ai gentiment dit là où elle s'est trouvée. Et après? Elle a dit, pourquoi nous l'avons laissée aller à la rivière? Nous sommes censés puiser de l'eau pour elle, faire la lessive, la vaisselle, pratiquement tout. Kéouin, kéouin, kéouin. Pourquoi? Et tant que qui? Qui sont ces esclaves ici? Qu'est-ce que j'en sais? N'est-ce pas qu'elle a ses jambes et ses pieds qui fonctionnent? J'aurais dû m'appeler pour la recadrer. Elle a de la chance que j'étais à la maison. Ah! Tu aurais dû voir comment elle me parlait avec autorité. C'est comme si elle avait l'intention de me gifler. Parce que je permets à Nena d'aller puiser de l'eau. Elle était vraiment fâchée. Je crois qu'elle allait me gifler. Je te l'ai dit. Rajoute-moi les pieds. Né, s'il te plaît, as-tu vu Nena dans le parage? Nena? Oui, je l'ai vu de l'autre côté avec un seau d'eau. Ok, par là. Oui, merci beaucoup. Nena! Nena, pourquoi? Donne-moi ça! Nena! Mais pourquoi es-tu allée à la rivière seule? Ne sais-tu pas que c'est dangereux? Je n'avais pas de choix, hein? Ma belle-mère m'a refusé de l'eau après avoir renversé ce qu'elle m'avait donné. Attends, je ne comprends pas. Ta belle-mère t'avait donné de l'eau et quelqu'un l'a renversée? Cette personne-là, c'est Chioma. Mais je ne pouvais pas citer son nom. Parce que sa mère risquerait de me tuer. Ah, mais Nena! Ah, mais jusqu'à quand vas-tu continuer à encaisser tout ça? Viens vivre avec moi, s'il te plaît. Viens chez moi. Ah, Emery, je peux bien le faire. Mais je ne peux pas laisser la maison de mon père juste comme ça. Si je le fais, ça serait mon échec. Je sais que c'est leur désir pour hériter de la propriété de mon père. Ah. Nena, Nena, hein? C'est ça ton problème. Hein? Pourquoi ne pas d'abord te concentrer sur ta santé avant toute chose? Écoute ce que je te dis. Cherche d'abord ton bonheur, s'il te plaît. Emery, de qui je peux avoir peur, puisque j'ai Dieu et toi. Nena, tu as toujours quoi dire. Ça va, allons-y. Oui. Tu manges beaucoup. Cette nourriture est très bonne. Ça goûte. Tu le quoi? Oh, maman. Tu le quoi?
ce qu'il dit. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, maman. Choma, viens l'aider. Ça goûte. Oh, c'est vraiment très délicieux, maman. Doucement. Emery, merci beaucoup. Merci énormément. J'ai vraiment apprécié. Merci. Je dois aller prendre mon savon pour aller prendre bain. Pas de problème. Prends bain et on se verra plus tard. Okay. J'ai posé de l'eau ici, rappelle-toi. Oui, merci beaucoup. Mmh. Oh, je vois comment maman prépare. C'est très délicieux. C'est que ça donne. Il n'y a plus rien dans la casserole. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Nena est allée toute seule à la rivière. Oui, dans c'est son vraiment état. Triste, ma sœur. Alors elle va faire comment? Hein? Tu sais qu'elle est orpheline. Pauvre si, fille. Si, je le sais très bien. Mais sa belle-mère et sa sœur peuvent bien l'aider. Hein? Ça marâtre. Jamais, jamais, jamais. Tu appelles ces dés-là sa famille. Hé, hey, pardon, laisse tomber. Dis-moi, il y a quelque chose que j'ignore? Ah ah, tu ne sais pas la façon dont on maltraite la fille dans cette maison. Particulièrement cette démon qui s'appelle elle-même Shoma. Si ce n'était pas pour Emiria, je me demande ce que serait devenue cette fille. Cette idiote qu'on appelle Shoma, elle exagère. Pour qu'elle s'éprend. Vraiment? Le jour où je la croiserai sur mon chemin, elle verra, je te dis. Franchement, elle exagère. Oui, Seigneur. Ouh. Madame, bonjour. Comment vous allez? Je veux bien. Et le petit va bien? Il va très bien, merci. Cette fille, hey. Bien. Choma. Choma. Choma, tu es où? Moi, je vais me déplacer. Viens ici, j'ai besoin de toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas vrai. Où est mon argent? Choma. Maman. Bien, 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 bien. Qui a pris l'argent que j'avais gardé dans mon sac? Maman, tu parles d'argent? Mais qui est l'argent? Les 3000 naira que j'avais mis ici, c'est tout ce que j'avais comme argent. Qui l'a pris? Maman, hein? Je suis très surprise de toi. C'est quoi cette question? Comment est-ce que je vais prendre de l'argent? La seule personne qui peut être capable de prendre ton argent dans cette maison, c'est celle-là. L'aveugle, cette fille. Bien, bien, bien. Bien. Nena,
Toi, Nena, approche ici. Vite. Maman? Approche ici, vite. Viens, viens. Voleuse, viens me dire là où tu as mis mon argent. Approche vite. Bien, bien, c'est cité. Tu as pris les 3000 naira que j'avais gardés dans mon sac. Maman, je ne sais rien à propos de cet argent. Hey! Tu n'es pas seulement une aveugle, tu es aussi une menteuse. Maman, ne l'écoute pas. Je l'avais vue la nuit dernière en train de guetter dans ta chambre. Hein? Ne dis pas ça. Elle faisait... Ah, maman, ce n'est pas vrai, maman. Je ne suis pas entrée là-bas. Je me... Pourquoi tu mens, s'il te plaît? Arrête de faire semblant, ne fais pas perdre le temps. Où est l'argent que j'avais mis dans mon sac? Maman, c'est faux, je ne suis pas entrée dans ta chambre. C'est les mensonges. Hein? Maman, je ne suis pas entrée dans ta chambre. Hein? Va fouiller son sac. Fais vite. Prie que Dieu te sauve et qu'on ne retrouve pas cet argent dans ton sac. Comment tu oses entrer dans ma chambre? Hein? Quelle audace! Donc tu n'es pas seulement aveugle, tu es aussi une voleuse. Si par malheur je trouve cet argent dans ton sac, hein? Hein? Amène ça ici, mets ça ici par terre. Vite! Commence à fouiller, fais sortir tous les habits qu'il y a dedans. Hé, Manon! Fais sortir un habit après l'autre. Hein? Quoi? Hein? Maman? N'est-ce pas ça mon argent? Seigneur des anges, oh! Je te l'avais dit. Maman, oh, je te l'avais dit. Tu m'as menti? Maman! N'est-ce pas toi qui as dit que tu n'étais pas entrée dans maman, ma chambre? Maman, je n'ai pas pris l'argent. Tiens-moi cet argent. S'il te plaît, c'est pas vrai. Pourquoi maman, tu m'as menti? Maman, c'est pas vrai, maman. Tu n'as pas pris quoi? Tu n'es pas seulement une aveugle, mais tu es une menteuse et une voleuse. Crois-moi, maman. Agenouille-toi. Maman, Manine, tu commences maman, à voler. Je n'ai pas touché à ton argent, maman. Tu n'as pas fait quoi? Ramasse-moi tous ces habits. Je vais le brûler. Super que tu es. Aïe, maman, garde je mes en l'air. Avare. Voleuse. Voleuse. Maman, tu n'as pas pitié de toi-même. C'est hein? pas vrai. Garde tes mains en l'air. Le peu d'argent que je garde pour vous nourrir, tu le gardes. Voleuse. Maman. Tiens ces bâtons. Ne le lui donne pas. C'est entendu. Imbécile. Garde tes yeux sur elle. Je vais l'acheter ce truc moi-même. Je reviens. Qu'elle ne se déplace pas. Ok. Je vais te tuer. Insensé. On verra où tu vas manger aujourd'hui. Qu'elle n'ose pas s'élever. Hein. Qu'elle reste à genoux jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que je suis une folle? N'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? C'est rien que le début. Tu es la raison pour laquelle mon père nous avait rejeté ma mère et moi quand il était en vie. Hey, Choma, tu sais que je n'ai pas pris cet argent. Pourquoi est-ce que tu me... Est-ce que tu viens de m'appeler? Viens-tu de m'appeler? Hein? Tu n'as encore rien vu. Ça, c'est rien que le début. Et quand je finirai avec toi, tu seras méconnaissable, je te l'ai dit. Tu m'entends? À cause de toi, mon père nous a haïssé, ma mère et moi. Tu m'avais volé l'amour et l'attention de mon père. Tu vas le regretter. Tu vas me le payer. Je vais en finir avec toi, Nena. Tu n'as encore rien vu. Je te ferai mordre la poussière. Si tu veux, tu peux te lever et aller te reposer dans ta maison. Hein? Si ça t'arrange, tu peux rester là en train de pleurer. Niaï, niaï. Ma mère sera de retour d'ici peu. Tu n'as rien vu. Tu vas très bien pleurer. Niaï, niaï. Je pars à la maison me reposer. Reste là et tu verras. Je t'ai dit, ça c'est rien que le début. Allez, lève tes mains. Lève ça vite. Voleuse. Lève les mains. Vite. Vas-y, lève tes mains. Idiote. Tu verras. C'est le début. Le début de ta galère. Idiote. C'est pas fini. Je ne suis pas partie. Je suis là, en train de te regarder pour voir si tu vas baisser les bras. Idiote voleuse. Allez, lève tes mains. Lève ça bien. Pourquoi ça? Menteuse. Arrête. Je n'avais pas volé cette Hein? Viens-tu me parler? As-tu dit quelque chose? Est-ce que je t'ai entendu parler? Non. C'est ce que je vis avec cette fille. Hein? Elle est insupportable. Tu ne peux pas imaginer. Ma chère, tu as la patience. Oh. Pour tolérer beaucoup. Cette fille est têtue. Ah, ah. Hey. Elle est hypocrite. Par qui est-ce qu'elle a prise comme en vol? Celle-là, elle est sournoise. Hey. C'est l'une des choses qu'elle a apprises de sa mère. Hey. Avec ses comportements,
Les gens diront que je suis une méchante marâtre. S'il te plaît. Il doit avoir une limite. Je ne peux pas tout tolérer. Vous êtes témoin, oh. Je vais le tuer. Allez-y doucement avec elle. Vous savez qu'elle est aveugle. Et alors, ça fait quoi? S'il te plaît. Non, non, hey. C'est mon problème. N'est-ce pas que je suis aveugle, moi aussi? Non. Hein? Ne l'est pas. Hey. Il faut l'avertir, oh. Tu dois trouver un jour pour venir parler avec elle, peut-être. Le mieux, c'est qu'elle soit mariée. C'est tout. C'est la seule bonne chose qui lui arrivera, non? Tu es bizarre. Hein? Quel est cet homme qui peut s'intéresser à une aveugle? Quel est cet homme qui voudra prendre une femme inhabile comme celle-là? Des jolies filles traînent encore dans les maisons de leur père et à combien plus forte raison c'est aveugle. Ah, Ogodia, ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible, né? Tâche-toi comment venir la cautionner. Sinon, je vais le tuer. Pardon, je vais le tuer. Pardon. Au moins, tu seras témoin. Avec elle. Allez-y doucement. Je ne vais pas finir en prison à cause de cette fille. Pardon. Qui est-ce? Mais c'est qui, s'il te plaît? Qui est-ce? Mais qui est-ce? Maman, bon après-midi. Bon après-midi, mon fils. Est-ce que tu vas bien? Oui, maman, je vais très bien. Pourquoi cette question? Tu as l'air tendu. Ou devrais-je dire nervé? Non, maman, je vais juste aller rendre visite à mon ami. Peut-être que c'est ça. Tu es sûr? Oui, maman, je vais bien. Ok, bonne route. Merci bien, maman. Arrivé. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, Nena, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as? Nena, il y a du sang sur tes habits. Mais pourquoi est-ce que ta soeur ne te l'avait pas dit? Hein? Pourquoi? Hein? Ok, laisse-moi t'apporter quelque chose pour te couvrir. Oh! Je suis là. Allez, couvre-toi avec ça. Porte ça, ok? Allez, c'est bon. Ça va aller. Arrête de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Parle-moi, non? Dis-moi, Nena. Allez, Nena, arrête ça, s'il te plaît. Parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? J'ai peur. Tu me fais peur comme ça. Parle. Hein? S'il te plaît, je t'en prie. Parle. Mon ami, allez, dis-moi quelque chose. Dis-moi non, Nena, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Arrête ça. S'il te plaît, parle-moi. Hein? Allez, Nena, je t'en prie, parle-moi. Parle-moi, ton silence, mais tu allais dire quelque chose. Nena,
Oh, Lena. Lena, parle-moi. Emeria, viens, une minute. Oh ma meilleure, quelque chose d'important que je vais te dire. Qu'est-ce que ceci veut dire? Je ne comprends pas. Emeria, laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce qu'une personne t'a déjà dit que tu es bien conçu pour Womambu Iso seul? Hein? Tu m'as bien compris? Attends, attends. C'est pour cette raison que tu m'as appelé? Hein? Donc c'est vraiment pour ça que tu m'as appelé. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu me regardes bien, tu verras que je ne suis pas d'humeur pour supporter n'importe quel genre de bêtise. Non, Emeria, calme-toi. Hein? Calme-toi d'abord. C'est quoi ton problème, hein? Donne-moi une petite chance. C'est moi que tu demandes? Oui. Hey! Toi, un fou du village, un bon à rien. Tu crois que je ne connais pas ton genre? Tu te balades partout dans les villages et tirer sur tout ce qui bouge. Tu crois que je ne le sais pas? Non, attends un peu. Tu viens de dire que je tourne partout, courant derrière tout ce que je vois. Oui, je l'ai dit. C'est vraiment une idiotie ça. Emeria, comment t'es-tu permis de me parler de cette manière? Tu es vraiment une idiote. Tu es idiote, tu es folle. Tu sais qui je suis? Hein? Est-ce que tu sais combien de filles dans ce village se sont battues à moi pour m'avoir? Hein? Et puis tu viens me dire n'importe quoi ici. C'est quoi même ton problème? Je comprends pas. Ka! Tu la fermes. Hein? Tais-toi. Pour qui tu te prends? Hein? Pourquoi tu te mens toi-même? Tu n'es qu'un simple villageois, un crève la faim, un bon à rien, un écervelé. Je te préviens, si tu me provoques encore, tu vas le regretter. Hé, hey, dis-moi. Hein? Iziou, lâche ma main. Hein? Lâche. Bien. Tu as voulu me gifler? Lâche ma main. Iziou, lâche ma main. Hey. Hey. Insensé. Emeria, c'est bien, mais je vais te prouver de quoi je suis capable. Tu as blagué avec moi? Eh bien, tu verras qui je suis. Tu dois vraiment être une folle. Moi, je te drague et tu oses refuser. Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Non. Personne avant n'a osé faire ce que tu as fait là. Tu dois vraiment être prudente, hein. Sois vraiment prudente. C'est quoi ce genre de filles que je vois dans ce village? Est-ce que je connais le nombre de filles dans ce village qui sont prêtes à tout pour m'avoir? Et voilà toi qui viens me dire n'importe quoi.
Une fille sale comme toi, qu'est-ce que je peux faire avec toi? N'importe quoi, va là-bas toi. Écoute-moi bien, prochainement si tu me parles encore comme ça, hein? Alors tu verras de quel bois je m'échauffe, idiote. Ce sont des bêtises ça, n'importe quoi. Idiote, va là-bas. Nena, dis-moi qu'est-ce qui se passe, hein? Nena, c'est depuis hier que tu pleurais. Je t'ai supplié pour me dire ce qui t'est arrivé, mais tu gardes toujours silence. Hier, tu avais quitté ma maison en pleurant. Bien que je fournis des efforts pour que tu me racontes, tu me dis ce qui s'est passé, mais tu te tais toujours. J'étais allée chez toi à la maison, mais tu n'étais pas là. Te voilà ici en train de pleurer. Nena, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, ton silence me tue. Je suis ton amie, s'il te plaît. J'ai été violée. Ah, que viens-tu te dire? J'ai été violée hier. Ah, violée? Mais comment? Par où? Et par qui? Je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux savoir? Comment est-ce que je peux répondre à cette question? Oh, je ne sais pas celui qui m'avait violée. Tout ce que je sais est que j'étais en route pour chez toi hier. Et j'avais senti que quelqu'un m'avait attrapée et m'emmenait dans la brousse. Et il m'a fait ce qu'il pouvait. C'est tout ce dont je peux me rappeler. Je ne sais pas celui qui m'avait violée. Comment est-ce que je peux raconter cette histoire? Les violeurs a ôté ma fierté, en tout cas d'une façon misérable. Nena, les sangs sur ta robe, c'était le résultat du viol? Ce n'était donc pas tes règles? Emery, je ne veux pas que les gens la prennent. Donc quelqu'un a pris de l'avantage sur toi? Emery, baisse ta voix. Je ne veux pas que les gens la prennent. Ne le crie pas, s'il te plaît. Ah, ne m'interdis pas de crier. Un homme a pris de l'avantage. Il a abusé d'une fille aveugle. Oh. Oh, c'est... Nena, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas être là pour te protéger. Merci. Peu importe la personne qui t'a fait ça, Dieu va vraiment le punir. Amen. Dieu s'occupera très bien de la personne, de cet homme qui t'a fait ça, Nena. Amen. Mais comment quelqu'un peut vraiment avoir le courage d'abuser d'une fille aveugle? Oh, Seigneur. Je suis très désolée, Nena. Merci. Merci beaucoup. Je n'avais pas pu te le dire hier. C'est désolée, ce qui m'était arrivé. Je suis vraiment navrée. Qui a fait ça?
J'ai mis les oranges ici. Qui a fait ça? Choma est ici. Choma! Je sais que tu es ici. Choma, où sont mes oranges? Choma, où sont mes oranges? Choma! Choma, où sont mes oranges? Amène-moi mes oranges. Pourquoi tu me fais ça? Choma! 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 Je sais que c'est toi. Amène-moi mes oranges, s'il te plaît. Je refuse. Pourquoi tu me fais ça, Choma? Tu es méchant, toi. Amène-moi mes oranges, s'il te plaît. J'entends très bien que tu es ici. Amène-moi mes oranges, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Choma? J'avais mis mes oranges ici. Je sais très bien que c'est toi. Amène mes oranges. Choma, pourquoi est-ce que tu es très méchante? Choma, je sais que c'est toi qui as pris mes oranges. Pourquoi est-ce que tu es si méchante? Pourquoi, Choma? Ramène-moi mes oranges, s'il te plaît. T'es vraiment pas gentil, toi. Ramène mes oranges. T'es méchante. Choma, je sais que Dieu est juste. Dieu est juste, je te dis. Attends, tu verras. Nena, que fait-il là? Bon après-midi, maman. Je suis sûre que tu as fait quelque chose à ta marade. C'est pourquoi tu es venue t'asseoir ici seule. Non, maman. Je ne l'ai jamais offensée auparavant. Je ne lui ai rien fait de mal. Alors, que fais-tu ici? J'ai juste envie d'être seule. Il y a-t-il quelque chose qui te dérange? Ah ah, je n'ai pas envie d'en parler, maman. Ah, ok. Si c'est ainsi, je m'en vais. Juste prends soin de toi. Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Je sens toujours la fatigue. Et j'ai aussi comme l'impression que ma poitrine est en train de gonfler. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée de ce monde. Je suis fatiguée. Je ne comprends rien du tout. Honnêtement, Akudo, je ne peux jamais te mentir. Tu es mon ami. J'aime Obina. Je l'aime vraiment. Je souhaite qu'il ait le même sentiment que j'ai pour lui. Honnêtement. Attends, qu'est-ce qui est amusant à propos de ce que je dis? Tout ce que tu viens de dire paraît marrant. Mon cher ami, regarde-toi de haut en bas. Tu deviens dingue pour un homme qui ne sait même pas que tu existes. Hey! Il ne sait pas que j'existe. C'est parce que je ne me suis pas encore fait connaître chez lui. Tu essaies de me dire que tu as des intentions de l'approcher d'ici peu? Tu demandes toujours. Mais bien sûr, c'est ça ce que je t'ai dit. Je ne comprends pas. Quel cachet que tu veux te donner d'une fille qui court derrière les hommes? N'as-tu pas honte? Ifnaya, je n'ai pas honte. Tant que c'est ce que moi je veux, ce qui m'intéresse, c'est pour lui de connaître qu'il y a une fille dehors là-bas qui l'aime beaucoup. Et cette fille, c'est moi. Ifnaya, tu me sidères. Tu deviens malade. Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences à le perdre. Reste calme. Quoi qu'il en soit, je m'en Regarde-toi. Fiche. Regarde-toi. Tu as un sérieux problème, je vois.
Robin. Ah ah. Bonjour, Roby. Oh oh. Bonjour. En fait, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Ah ah, Roby. Comment tu peux oublier un nom si formidable? Ah, désolé, enfin, chérie. Je m'appelle Akudo. Voilà, Akudo. Oh, Akudo, comment tu vas? Je vais bien, merci. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que te rendre visite devient un problème. Oh, oh non, non, même pas. Je suis juste surpris de te voir, tu vois. Oui, oui. Obina, tu dois savoir que cette beauté incarnée et proportionnelle devant toi te trouve attirant. Ah bon? Et elle souhaite t'avoir comme copain. Wow! Ah! Mais comment tu sais ce que je suis en train de penser? C'est exactement ce à quoi je pense. Ah! J'ai longtemps cherché des voies et moyens pour venir te voir et te dire combien je t'aime, mais je ne savais pas par où commencer. Oh, c'est vrai? Oui, oui! Oh, oh mon Dieu! Baby! Attends, je vais déposer ces histoires, on va aller à l'intérieur. On peut aller ensemble, oui? Hey. Allons-y, chérie. Okay. Allons-y, sois la bienvenue. Quoi? Okudo? Bien, oui. Je rêve. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu es intéressée par Obina depuis toujours? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'avais dit que j'aime Obina et tu n'as pas apprécié cela. Et venir derrière mon dos juste pour voir les mêmes Obina. Ah! Écoute. Tu es une vraie traîtresse. Qui? Comment peux-tu me faire ainsi? C'est de moi que tu as fait aussi. Non, arrêtez. Arrêtez, non. Arrêtez. Tu n'es pas sorti quoi. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Méchante que tu es. Méchante que tu es. Méchante. Traîtresse. Arrêtez, s'il vous plaît. Fais aujourd'hui. Laisse-moi. Laisse-la. Je vais la frapper. Attends. Laisse-la. Je vais la frapper très fort. Laisse-la. Arrêtez. Méchante-toi. Attendez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrête, c'est fini. Arrête, s'il te plaît. Méchante fille. Attendez, ne partez pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Attendez. Il faut qu'on se trouve aussi des petites amies. Bien sûr, on va en trouver. Mes très chers amis. Les gars. Eh, mes chers, je suis vraiment très désolé. Tu as beaucoup traîné. Vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Toi toujours avec tes histoires. Ah ah, mon cher, vous devrez écouter ce que j'ai à dire au lieu de m'interrompre comme ça. Hein? Ah, écoutez, quand je m'apprêtais pour venir travailler, cette fille, comment elle s'appelle encore? Akudo, oui. Elle est venue chez moi et a confessé tout l'amour qu'elle a pour moi. Vous imaginez ça? Hein? Et quand on était prêts pour rentrer dans la chambre, son amie là, Ifunaya, elle a débarqué et nous a surpris ensemble. Fallait voir. Vas-y, explique un peu. Boum, allez, boum, papa. Partout dans la maison, elles se sont bagarrées, ces jeunes filles. J'ai même essayé de les séparer, mes gars. J'ai arrêté et je me suis transformé en spectateur. Regardant tout ce qui bougeait, les poitrines, broum. Tous les corps étaient en mouvement. Attends, tu veux dire, ces deux filles s'est bagarrées pour toi pendant que moi, je n'ai pas de femme? Mais là, c'est ton problème, non? C'est pas grave, mon frère. C'est ton problème, ça ne me regarde pas. Mais ne dis pas que deux femmes se sont battues pour toi juste il y a quelques minutes. Je vous dis, les gars, il y a juste quelques minutes. Au bout de petites secondes, deux jolies femmes se bagarrent pour Obina. Égé. Non, c'est pas vrai. Vas-y, dis-nous encore. C'est ce qui te rend vraiment heureux. Elle s'est bagarrée, non? Je n'ai pas eu le temps de me réjouir avec la fille. Je voulais en finir et venir vous voir pour travailler. On a besoin d'argent. Il faut aller le chercher. Allons-y rapidement avant que cette dame-là ne change d'avis. Écoute, celui-là. Dis-moi un peu. Donc maintenant, on peut dire que c'est toi, le garçon de toutes les filles du village? Oui, il les mérite. Ok, d'accord, pas de problème. Je vais vous répondre après. Mais pour le moment, allons-y d'abord. D'accord, on va aller travailler. Allons-y, prenez beaucoup de temps. Allons-y, d'accord. Ne t'inquiète pas, vous parlez beaucoup. Allons-y travailler. Voilà. On se revoit encore. Tu pensais que je n'allais pas t'attraper, c'est ça? Iziou, je te demande très gentiment de m'inviter pour l'amour du ciel. Jamais de la vie. Et Maria, je t'ai bien expliqué. Mais laisse-moi te dire une chose.
Tu vois dans ce village, moi je dois t'avoir. Je t'aurai. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Iziou, tu te trompes. Tu te fous les doigts dans l'œil. Maintenant, je suis convaincue que tu n'es pas seulement un villageois misérable, mais tu es aussi possédé. Je dois dire ça. Tu sais quoi? On va savoir qui est possédé, qui n'est pas possédé. Aïe! Aïe! Lâche-moi! Aïe! 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 Ma tête! Ma tête! Aidez-moi! Aidez-moi! Quelqu'un peut m'aider? Aidez-moi, s'il vous plaît! Ma tête! Aidez-moi! Ma tête! Quelqu'un peut m'aider? Émeré? Les gars, attrapez-la pour moi. Cette fille est une sorcière. L'attraper pourquoi? C'est une sorcière. Elle a fait quoi? Je lui ai rien fait, oh. Vous voyez, cette fille, c'est vraiment une sorcière. Elle a été envoyée ici seulement dans le but de me tuer. Je ne sais pas. Je lui ai rien fait. Elle a été envoyée seulement pour me tuer. Je ne sais pas. Je te connais très bien. Et Mary ne peut pas réagir de cette manière sans que toi tu commettes une bêtise. Quoi? Tu dis quoi là? Je lui ai refait de tout, je vous ai dit ça. Arrête aussi de pleurer comme ça, toi, là. Hein? Tu vois ce qui est arrivé, là? C'est la bien arrivé. Allons-y, on part. Les amis. Laisse-nous tranquille, les amis, laissez-moi même à la maison, non? Vous êtes mes amis, non? Maman! Ma tête! Ma tête! Bébé! Aujourd'hui, j'ai connu un accident très grave! Un accident? Accident! Mais comment ça? Une moto qui m'a cogné! Et puis cet homme-là, il a fui! Mais ça passait de quel côté tu étais? Oui, c'est la vérité, c'est ce qui est arrivé. J'ai très mal. Désolée, chérie. Je suis vraiment désolée. Tu sais que tu ne peux pas venir ici. Ma mère risque de te voir. Je sais bien que ta mère, elle n'est pas là. C'est pourquoi je suis là. Même si c'est le cas, mais elle peut revenir à n'importe quel moment. C'est pas bien que tu sois là. Tu veux que je parte avec mon visage accidenté? En fait, moi je suis venu pour avoir un traitement, non? Mais pourquoi toi tu me fais ça? Aïe. Mais tu aurais dû passer directement à l'hôpital avant de venir ici. Ouais, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Oui. Mais tu vois bien que j'ai mal. Ok. Oui, je reviens. Ça, c'est seulement pour nettoyer la plaie. Fais voir. Trop mal. T'es trop mal. Ça va aller. C'est bon, chérie, maintenant, lève-toi. Tu peux commencer à partir. Je viendrai plus tard te soigner, ok? Tu peux partir. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Désolée. Je vais t'attendre. Faut venir, s'il te plaît. Ok. Je viendrai, chérie. C'est bon. Ces villages? Mais comment cela est-il possible? Partant d'ici jusqu'à sa maison, du moto ne passe pas? Comment? Hey! Ezio! Allez, lâche-moi! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réagis de cette manière? N'est-ce pas que tu connais le pourquoi de cette attitude? C'est quand tu veux voir Ifunaya. Moi, oui. Vraiment, plus je jamais. Je l'ai quelque part. Hein? Tu t'avais dit. Pourquoi je veux voir ce genre de filles? Hein? Cette fille n'est pas le genre de mes filles et tu le sais, non? Hein? Vraiment? Je n'ai rien à faire avec ce genre de femmes. Si elle est femme, c'est qu'elle ne donne pas d'enfants. Elle a déjà atteint l'âge de la ménopause. Je me demandais comment tu peux être intéressée à cette truc. Tu sais que je ne peux pas le faire, non? Toi, tu es l'amour de ma vie. Hein? Tu sais quoi? Depuis le jour où elle est venue nous surprendre ensemble.
Elle m'a vraiment énervé. Elle m'énerve même jusqu'à présent. Tu sais, je déteste cette fille. Je hais cette fille. Beaucoup même. Es-tu sûr? Oui, non. Obina, juste quand on était prêt à rentrer dans la maison, après notre chaleureuse discussion sur notre chemin, elle a tout gâché et elle cherchait à se bagarrer avec toi. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre. Tu es sûr? Oh, mon amour. Allons maintenant à la maison, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Cet endroit est trop ouvert. Il n'est pas favorable pour nous les amoureux, tu sais, non? Maman, toi. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Qu'est-ce qu'elle a? Hola. Elle dort. La cécité. Vas-y, lève-toi de là, idiote. Pourquoi tu dors à cette heure? Tu es une paresseuse que j'ai jamais vue. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, bon après-midi. Tu peux l'avaler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, je suis malade. Je ne sais pas comment l'expliquer. La pauvre. Comment tu te sens? Les matins, j'étais en train de vomir. Et maintenant, je me sens très faible. Et j'ai des vertiges. Et apparemment, mes dessins ont vraiment gonflé. J'ai vu comment c'est devenu ferme. Bien, pas besoin d'avoir une explication. Je sais ce que tu as comme problème. Qu'est-ce que c'est? Maman? Elle est grosse. Tu es enceinte, tu veux faire semblant? Hey! Bien. Nena, avec cet aveuglement, tu as quand même la force d'ouvrir tes jambes et laisser entrer la banane. Non, maman, ça ne s'est pas passé ainsi. Tu ne cesseras de mentir. Tu ne sais pas comment c'est arrivé? Tu oses me mentir? Donc, tu essayes de me dire que la grossesse est descendue du ciel pour entrer dans ton ventre, hein? Non, maman. J'ai été violée. Cette fille, je ne sais pas quoi faire avec toi. Arrête un peu ça, s'il te plaît. C'est quoi ton problème? Es-tu obligée de toujours mentir? Bien, peu importe comment cela est arrivé. Une chose est sûre, je ne vais pas me tuer pour toi. Je ne le ferai jamais. Toi-même en personne, tu es déjà un problème pour moi. Et maintenant, tu veux m'amener un bâtard. Tu crois que je vais m'occuper de lui? Tu te trompes. Tu vas porter ton fardeau seul. Prends-toi en charge à partir d'aujourd'hui. Oh non, oh Zou. Reste là. Si tu fais un pas, tu es morte. Allez, quitte la libère mon chemin. Toi, Nena, hormis le fait que tu sois aveugle, tu exploites quand même ton patrimoine? J'ai toujours su que tu étais une prostituée. Je ne suis pas étonnée. Avec ton bâton, tu te balades partout dans les villages en sortant avec les hommes que tu croises. C'est ça le résultat. Dieu t'a exposé aujourd'hui. Mon Dieu. Le pire dans cette histoire est que elle continue de mentir, disant qu'elle a été violée. Hey! Mon Dieu! Il faut bien. Je ne savais pas. Maintenant, je comprends. Tu vois, je l'ai vue assise seule sur la route. Quelques jours passés, son humeur n'était pas bonne du tout. Je vois qu'il réfléchissait vraiment sur ses actes. Ugodia, je me fiche de tout ce que tu racontes. Je lui avais déjà dit à partir de ce jour-là de se prendre en charge. Je ne veux pas me tuer pour elle. D'abord, elle est inhabile. Elle s'ajoute encore d'autres problèmes sur elle-même. Quelle pitié! Il n'y a rien de pitoyable pour elle. Hey, elle est où maintenant?
Je saurai comment. Bien, où est-ce qu'elle peut bien être? Si ce n'est pas chez sa complice, Emerie. Il y a des choses qui se passent. Je t'ai dit. Tu ne peux pas croire. Ma soeur, essaye. Hein? Laisse-moi partir. Je vais quelque part. Merci. Bonne route. Regarde là. Nena, comment vas-tu? Allons-y seulement. Hey, pourquoi est-elle embarquée dans une situation terrible? Mais j'allais aussi te poser la même question. Qu'est-ce qui fait qu'elle pleure toujours en cours de route? Hein? Oh. Quoi qu'il en soit vraiment, ce n'est pas une bonne chose. T'as raison. C'est la seule manière qui montre que sa marâtre et sa demi-sœur sont en train de la maltraiter. C'est vrai. Je souhaiterais être dans une bonne position pour la soutenir. Moi aussi, vraiment. Allons-y, ma chérie. Partons. Allons-y, hein? Hey! Enceinte, comment ça? Hein? Comment peux-tu être enceinte, dis-moi? Comment peux-tu être enceinte dans cet état? Seigneur, c'est pas vrai. C'est pas juste ça. Qu'allons-nous faire maintenant? C'est ce que je me disais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment vivre ce genre de choses. Elles ont dit que je dois me prendre en charge. C'est bon, ok, c'est bon. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Écoute, je serai là pour toi. Tu sais que j'ai toujours été là pour toi. Après tout, tu as toujours été responsable de toi-même. Alors je ne vois pas pourquoi cela doit leur sembler différent. T'inquiète pas, ok? Elles sont juste en train de chercher des excuses pour ne plus t'accorder le peu d'attention qu'elles te donnent. Elles cherchent une excuse pour se libérer de toi. Je serai là pour toi, t'inquiète. Il est vrai que c'est pas difficile parce que vu l'état dans lequel tu te trouves, tu es enceinte et... Bon, mais je vais essayer quand même. On va essayer. Bien que c'est pas facile. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu me donnes aussi envie de pleurer. Ça va aller. Nekwafa, les oiseaux de même plumage, le généreux du village, toujours à vouloir partager, dolon, 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 c'est ça. Tu sais que ton ami est prostitué, donc c'est ça que tu es. Tioma, je t'en prie pour l'amour du ciel, juste évite-moi, s'il te plaît. Da, tu la fermes. Qu'est-ce que tu racontes? Voyez-moi cette crapule. Que feras-tu si je refuse de t'éviter? Tu vas me tirer par force jusqu'à la maison? Que vas-tu faire? Rien du tout. Regardez-la. Pétasse.
Bien, je n'ai pas de temps pour toi. Allez, reviens par là, mon ami. Voyez-moi celle-là. Donc, si je t'observe, tu vas me tourner les dos et passer comme si de rien n'était. Donc, tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de respect. Respecter qui? Toi, une véritable bonne à rien. Ah, c'est grave. Ah, comment oses-tu? Comment oses-tu? Hein? Es-tu malade? As-tu perdu la tête? Hein? Aïe, Seigneur! Aïe! Idiote! Aïe! Ça fait mal! Aïe! Aïe, Seigneur, j'ai mal. Ça fait très mal. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, n'est-ce pas cette stupide émérée? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne faisais que la conseiller pour qu'elle arrête de se promener avec Nena et qu'elles arrêtent d'offrir leur corps à tous les garçons de ce village. Et c'est juste comme ça que nous avons commencé à se battre. Vous à se battre. Mais ta peau est irritée. Oui, ça, maman, elle m'a mordue. Juste comme ça, maman. Elle n'avait rien trouvé d'autre, juste comme ça. Hein? Elle m'a mordue. Hey. Oh, tu vois, avec cette taille que tu as, avec ce poids, non, ça veut dire que tu as laissé Emery t'approcher et te battre. Maman, tu ne comprends pas. Écoute, tu vois cette morsure, c'est parce que j'étais distraite. Maman, je l'ai soulevée avec mes épaules, mourante. Après cela, hypercute. Après, elle t'a retenu au pied pour te mordre. Maman, non, tu ne comprends pas. Écoute-moi maintenant. Si tu ne veux pas que je te donne mon rôte, hyperquite et te mordre après, va prendre ces grands seaux. Va puiser de l'eau. Maman? Papa? Maman, avec cette morsure, j'ai très mal. Je ne saurais pas porter quelque chose avec cette main. Tu as une morsure. Si tu ne veux pas être chargé de coups et de morsures, prends ces grands seaux. Va à la rivière puiser de l'eau. Aussi sans. Tu me résistes? Qu'est-ce que tu crois? Je lui ai donné une bonne leçon. C'est parce que je t'ai distraite qu'elle m'avait mordu ici. Qu'est-ce que tu crois? Je suis sûre qu'en ce moment, elle est dans les commandes. Je lui avais donné une très bonne leçon. Comment tu peux te battre avec une amie et puis il te laisse avec des morsures? Ça veut dire que tu n'es pas forte. Dépêche-toi. Maman, je l'ai corrigée. Je l'ai très bien corrigée. En ce moment, elle est sûrement dans le coma. C'est toi qui étais au coma ici. On t'est mort comme si on mâchait une viande. Va pousser de l'eau. J'ai toujours cru que tu étais forte. Tu me prouves le contraire. Hey! Tu feras autant de tours que tu pourras pour remplir cet honneur. Tu m'entends? Tu es puni. Tu dois remplir toute cette citerne pour que tu apprennes à être forte. Et si on venait me menacer ici, comment tu vas me défendre? Tu n'as que ta bouche pour parler. Paresseuse. Je ne les crois toujours pas, jusqu'à ce que je les verrai de mes propres yeux. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui est étrange de voir une fille aveugle enceinte? Nidia, c'est une pauvre fille. Qui prendra soin d'elle? Et puis c'est une orpheline. Son état n'est pas une barrière pour devenir mère.
Ce que je ne comprends pas, c'est d'entendre qu'elle a été violée. Mais qui peut faire ce genre de choses? C'est ce que tout le monde est en train de dire. Même toutes les filles n'ont pas cru cette histoire de violée. C'est vraiment étonnant. Si elle a été violée réellement, cette personne est vraiment une sorcière. Elle ne peut même pas mériter le pardon des dieux. Hein? Oh! C'est vraiment étonnant. Oh. Oui, oh. Pardon, mon ami, aide-moi à finir ce travail que je suis en train de faire. Ok. Ah. Ah. Ah ah. Hey, Obi. Ah. Pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que tu es seule. Oui. Mais pourquoi tu as pris beaucoup de temps comme ça? Je suis là en train de t'attendre. Je pense qu'Akudo ne viendra pas ici. Quel Akudo? Je t'avais dit qu'Akudo ne me ressemble pas. C'est toi qui me ressemble. Regarde tout ce que tu as. C'est vraiment ce que j'aime. Elle n'est pas de ton genre, mais tu me quittes pour elle. Te laisser pourquoi? N'est-ce pas, c'est elle qui est venue chercher des problèmes ici? Je l'aime pas, c'est toi que j'aime. Je lui avais prévenu, elle ne mettra plus ses pattes ici chez moi. Et c'est toi que j'aime. Tu es sûr? Oui, non? Hmm? Ne perdons pas le temps ici, quelqu'un peut nous voir de loin. Alors, allons à l'intérieur. Es-tu sûr? Très sûr, ah, bébé, regarde-moi ce que tu as. Hein? Oh la belle. Ah ah. Celle dont tout le monde rêve dans ce village. Hey, elle est juste là devant moi. Hey, voici donc la plus belle. Ha, ma belle. Ah. Ça va, tu es vraiment belle. Oh merci. Tu viens d'où comme ça? Je viens de voir ton ami. Obina. Oui. D'ailleurs, je me dirige vers chez lui. Waouh. Oh, quelle coïncidence. Écoute-moi. Je crois que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions nous voir aujourd'hui. Parce que tu sais, ça fait vraiment longtemps que je cherche à te voir. Je te jure. Hein? Donc comme ça, nous pouvons nous mettre ensemble. Comme ça, je paierai ma dîme. Tu sais que Obina est ton ami. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être avec une personne comme toi. Il est mon ami. Il est aussi ton ami. On mange ensemble, on partage les habits. Hein? Donc on peut tout partager ensemble. Hein? Et arrête, pardon. Ifunanya. Ah. Comprends ce que nous sommes en préparation de notre mariage. Alors tu dois enlever tout ce que tu es en train de planifier dans ta tête, ok? Parce que je n'aurai rien à faire avec toi. Attends, Obina et toi, planifiez votre mariage. Oui. Et qu'est-ce que t'as mis? Ifunanya, ouvre tes yeux. Tu n'es pas la seule fille avec qui Obina sort. Si seulement tu acceptes ce que je dis, je te donnerai tout. L'argent, le sommet de ce village. Aucune fille n'osera s'aimer à toi dans ce village. J'essaie d'expliquer, tu comprends pas. Hein? Regarde-moi, essaye un peu de voir. Allez, faisons la chose. Hein? Et puis laisse-moi payer ma dîme. Je ne peux rien lui faire. Je l'aime beaucoup. Il est mon amour. Ifunanya, tu ne sais pas ce que tu rates. Mais pourquoi tout le monde essaie derrière Obina? Hein? Ou parce que seulement c'est un homme à la peau claire? Écoute, moi là, je n'applique pas les car white, oh. Être courant de jupon là, c'est ce qui me fait de l'aimer encore plus, plus. Oh Seigneur. Ok? Donc laisse-lui comme ça pour moi. Ifunanya, regarde. Ifunanya, regarde. Laisse-moi te dire quelque chose. Ifunanya, hein? Si tu m'acceptes maintenant là, je vais te donner quelque chose. Hey! Regardez-moi ça. Ifunanya, tu vois toutes les choses que je suis en train de voir là? Je finirai par nager dedans. Hey! Regarde, regarde, regarde là. J'aime comme ça bouge. Advienne que pourra. Voilà, prenez ça. Prends celle-ci, fin du match. Je savais très bien que ce match allait se terminer avec cette carte. Tu es sérieux? Attendez s'il vous plaît. Vous êtes au courant? Qu'est-ce qu'il y a encore, Uche? Hein? Est-ce que tu es encore venu gâcher l'ambiance avec tes fausses nouvelles? Ah, Bobo, toi aussi. Est-ce que hein? Tu sais ce que moi j'ai dit? Laisse-le parler. Tu le sais? Il va parler. Laisse-le parler. Mon cher, bon, vas-y, tu peux parler. Est-ce que vous savez que Neina, la fille aveugle, est enceinte? Neina, la fille aveugle, enceinte. Comment est-ce possible? Ah, Uche. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne me dis pas que tu ignores ce qui se passe. Neina a été violée et elle est tombée enceinte à cause de ce viol. Quelqu'un l'a violée. Non. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que
sa belle-mère l'a abandonné. Hey! Comment les gens peuvent être aussi méchants? Une pauvre femme aveugle comme ça. Violée, qui est cette personne qui peut faire ça? Violée. Bobo, cette belle-mère est vraiment sorcière. Une personne méchante. Elle a juste profité de la situation de cette jeune fille pour la chasser. Hey! Et qui a vraiment pu faire ça? C'est juste parce que je ne connais pas la personne. Sinon, ce genre de personne devait être puni et condamné à mort. Hein? Nous parlons d'amener ce genre de personne devant les conseils de tous les villages pour être mise à mort. Si c'est moi, je prendrais une telle personne en dehors de sa masculinité, lui faire la même chose, alors il va sentir la douleur du viol. De personnes méchantes. Je comprends pas comment on peut violer une fille. Une fille aveugle, tu la violes comme ça. Hey! Obina, tu vas bien? Tu ne participes pas à la conversation. Mais jusque-là, tu n'as pas joué. Tu es où? Je suis juste en train de réfléchir. Comment est-ce que quelqu'un peut violer une fille aveugle? Une pauvre jeune fille. C'est méchant. Non, c'est moi qui dois jouer. Le monde est vraiment très méchant. Mon cher, on attend que toi. Hein? Et mon frère, c'est quoi? Tu es là avec nous? Oui. Vas-y, joue, c'est ton tour. Les autres vont jouer aussi. Mon cher, moi je suis très fatigué de jouer. Juste comme ça. Je suis fatigué. Tu vas chercher une fille. Continuez. Vous n'êtes pas fatigué. Moi, je reviendrai quand je serai en forme. Mon frère, t'occupe pas de lui. Il a fui. Quand le maître et la personne osent parler. Sœur Chioma. Bon après-midi. Comme tu peux le voir, je vais bien. Quoi puis-je t'aider? Sœur Chioma, j'aimerais partager la parole de Dieu avec toi. S'il te plaît, Sœur Chioma, donne ta vie à Christ. Est-ce que tu peux te repentir et donner ta vie à Christ? Que je donne ma vie à Christ, donc cela veut dire que je serai morte et mon cadavre va se retrouver au cimetière. Ce n'est pas ça, Sœur Chioma. Tu vois, le genre de vie que tu mènes n'est pas du tout bonne pour toi. Tu sais, c'est tellement merveilleux de servir Dieu qui est dans les cieux. Parce que quand tu le sers, il va te faire du bien. Regarde maintenant ta sœur. Elle est tombée enceinte dans la maison de votre père. Et si tu veux causer avec moi, si tu veux que je reste là en train de t'écouter, parle-moi directement. Si tu mets les noms des naines dans cette discussion, c'est aveugle. Je vais m'en aller. Dans ce village, tout le monde sait que Naina est une cantine publique. Elle distribue à gogo. C'est de cette façon-là qu'elle est tombée enceinte. Ça ne me regarde pas, parce que je ne suis pas une pécheresse. As-tu déjà entendu que j'ai volé les histoires de quelqu'un, ou soit j'étais sortie avec le mari de quelqu'un? Alors dis-moi, pourquoi veux-tu que je me repentisse? Qu'est-ce que je fais du mal? Tu sais, sœur Chioma, la Bible dit que ce que tu fais là n'est pas suffisant. Tu dois donner ta vie totalement à Christ, ma bien-aimée. Tu dois donner ta vie à Christ. Hein? Écoute, sœur Chioma, tu dois te repentir. Voilà pourquoi je t'invite dans mon église ce week-end. Nous aurons un homme de Dieu très loin. Alléluia. Okay. Il y aura la présence de Dieu. Les vies vont changer. S'il te plaît, viens. Donc, si j'accepte de venir, tu vas me laisser partir? Oui. D'accord, alors je peux m'en aller? Oui, prions d'abord. Répète après moi, Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, sœur Chioma. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans ta vie. Je veux dire ta vie, sœur Chioma. Dis, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Alléluia. Il y a la fête au ciel. Tu sais quoi, ma sœur? Sœur Chioma. Oh, merci Seigneur. Il y a la fête au ciel. Il y a la fête parce que quelqu'un a reçu Christ dans sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman, je pars à la rivière. Mais il n'y a pas longtemps, tu as changé d'avis. Eh ben, j'ai changé d'avis. En plus, il n'y a pas d'eau à la maison. Je dois partir. Si tu veux, passe nuit là-bas. Tu sais ce qui t'arrivera. Je reviens vite.
Izu. 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 Il n'est pas encore là ou quoi? Ah! Où étais-tu parti? Tu étais censé m'attendre. Désolé, bébé. Je suis désolé. Bon, allons-y. Allons-y, partons, partons. Allons-y, vite. Allons-y. Viens. Nena. 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 C'est quelle façon de dormir? Ah ah! Dépêche-toi de nettoyer l'endroit que je t'ai demandé de nettoyer. Idiote! Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens très mal. Oh, ma pauvre! Quand tu t'es allée te faire en santé? Tu as cru que ça allait être une très belle expérience, hein? Mon ami, lave-moi ces assiettes. Je ne vais pas rentrer ici et te trouver en train de traîner pour le finir. Idiote. Descends. Et sottise. N'oublie pas de nettoyer cette eau. Oh, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? C'était ici, non? Oh. Frère Izu, bon après-midi. Oh, voilà qui je suis en train de voir aujourd'hui. Hola! Vraiment? Non, pas de souci, pas de souci. Merci. Frère Izu. Ouais. Je t'ai apporté une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Oui, mon frère. Hey, que Dieu soit loué. Oui, le roi. Il faut le louer. Frère Izu, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Oh, je vois. Frère Izu, je veux que tu te répandes et que tu donnes ta vie au Seigneur. Ok. La Bible dit, qu'est-ce qui va profiter à un homme de gagner tout ce monde et qu'il perde sa vie? Eh non, je refuse ça, je lis ça, je jette ça oui, dans le feu sûr, du Saint-Esprit. Hein? Voilà pourquoi tu dois te repentir et donner ta vie à Christ, frère Izu. Hein? Je t'invite alors dans mon église ce soir, nous avons un programme spécial. Wow. Alors, s'il te plaît, j'espère que tu seras là. C'est quoi encore le nom? Sœur Cheta. La sœur Cheta, un si joli prénom. Bon, j'ai tout compris. Mais voici le problème que nous avons. Tu vois, on n'a pas beaucoup de temps à passer ici pour essayer de bien parler. Donc, ce que nous allons faire, tu vas me suivre chez moi à la maison. Donc, on va arriver chez moi, tu te détends, tu prends ton temps, tu te reposes et nous allons parler. Tu vas me dire tout ce que tu voudras. Donc, tu arrives chez moi aujourd'hui même que pour la Dieu toute m'en première épargne. Fois. Ça signifie quoi ça? Non, dis-moi ce que cela signifie. Hein? Veux-tu je t'invite chez moi. Hein? Calme-toi, c'est moi qui parle. Je parle, tu parles. Hein? Tu me dis de me repentir. Pour une seule fois, je t'invite. Une seule fois. Et que moi, je me repente, tu es vraiment égoïste. Sais-tu que je suis une servante de Dieu? Servante de Dieu, mon œil.
Allez, faut m'arrêter toutes ces histoires-là. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi aussi. Je dis arrière de moi. Il faut m'arrêter toutes ces genres de bêtises-là. C'est une sorte de bêtises que tu es en train de dire là. Des mensonges que tu dis là. Va là-bas, idiote. Espèce de folle. Regarde-moi cet homme. Il a refusé de se arrière de moi aussi. Je te lis. Arrière de moi aussi. Tu n'es qu'une espèce d'idiote. Tu ne mérites même pas d'avoir une Bible sur toi. Des gens comme toi n'ont pas le droit d'avoir une Bible avec eux. Ne t'approche plus de moi, n'importe quoi. Tu m'as bien compris, j'espère. Hein? Ose encore m'approcher, tu verras bien. N'importe quoi. Ose encore venir me dire ces histoires. Repentance. Elle ronfle comme une truie. Chineke. Attendez, oh. Bien. Chineke, mère. Où sont les assiettes que j'ai demandé à cette idiote de laver? Mais qu'est-ce que je vois ici, mon Dieu? Bien, Nena. Bien, Nena. Tu dors à cette heure de la journée. Maman, bon après-midi. Viens ici. Viens. Approche. Hein? Pourquoi? Mais tu n'as pas lavé ces assiettes? Mais cette fille, mon Dieu. Maman, je les avais nettoyées. Hein? Tu as fait quoi? Oui, maman. Hein? Tu les as lavées? C'est bien oui, ça? Maman, j'avais commencé à nettoyer, puis je n'avais plus retrouvé le frottoir et le savon. Et qu'est-ce que tu t'es censé faire après? Hein? Ça, c'est quoi? Ça, ce n'est pas le frottoir et le savon? N'est-ce pas ça, les savonniers? Hein? Toi? Hé! Hey. Nanya, hein? Réponds de les laver vite avant que je ne te défigure ce visage. Maman? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu ta voix depuis la maison. N'est-ce pas que c'est cette non-voyante? Hein? Elle croit me mentir et en sortir indemne. Hein? Regarde les assiettes qu'elle vient de laver. On dirait qu'elle n'a même pas touché à ça. Je lui pose la question, elle me dit, oh non, à un moment donné, elle ne voyait pas le foutoir. Et les savons. Elle ne voyait pas le savon, alors ça c'est quoi? Oh! Allez, go. Prends ces assiettes, va les laver. Quel genre d'humain es-tu? Tu ne sais rien faire de bon dans cette maison. Hein? Prends ces assiettes et réponds de les laver. N'importe quoi. Une ratée. Et ose casser une assiette. C'est ce que je vais utiliser pour Fais attention, ne me conne pas avec ces bâtons. Folle. Là dehors, tu sais tout faire ici. Ici, tu veux être bébé. Crapule. Zinzin. Prends-moi toutes ces assiettes et ose casser l'une d'entre elles. Tu verras ce que je vais te faire. Va les laver. Fais-les avec beaucoup de soin. Tu peux les laver 10 fois. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile sur ça. Je suis là, je suis patiente. J'attends que tu finisses. Idiote. Nous sommes ici. Paresseuse. Nous te regardons. Ne gaspille pas mon nom. Tu n'as fait que gaspiller mon nom inutilement. Au lieu de bien laver les assiettes une fois pour toutes. Regardez-moi cette fille, oh. Hein? T'es vraiment un cas social. Après, tu vas aller m'épuiser, c'est tout. Je ne suis pas partie, hein. Je suis là en train de te regarder. Tu n'es pas seule, maman. Moi aussi, je suis là. On la regarde. Tu peux les laver avec ce que tu as déjà pris. Ça suffit. Ne prends plus de l'eau dans ce tonneau. Commence à les laver. Avec les naissances. Je vois comment tu veux faire perdre ton temps. Où est-ce qu'elle va comme ça? Hein? Quelle chaise? Rentre là-bas. Recule. Accroupis-toi et lave ça. Je cherche ma chaise. Je suis déjà fatiguée. N'est-ce pas que tu as encore de l'âge? Mais maman, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? N'est-ce pas que c'est une fille? Pour laver les assiettes, il faut pleurer. Les cérémonies.
Nena, quand est-ce que tu vas donner naissance à ces bâtards que tu portes? Réponds-moi, ne reste pas silencieuse. Nena, n'est-ce pas que c'est à toi que je parle? Bien, c'est à cette réaction que je m'attendais. En plus, je ne serais pas surprise si tu devenais sourde et muette. Je ne serais pas étonnée, pas du tout. Bêtise. Une aveugle comme toi, tu te balades partout dans le village en t'offrant à tous les hommes. Hein? Mais qui pouvait s'imaginer? Hey, tout fier à quoi? Tu es toujours par-ci, par-là, derrière les hommes, derrière les hommes. Et... Nena. Oui, et bon, hey, tu vas bien, là? Ah, les oiseaux de même plumage. Regardez-le. Voyez-moi comment ils sont. Choma, Choma, je te demande pour l'amour du ciel, juste évite-moi. Je te les demande gentiment. Laisse-moi tranquille. Voyez-moi cette idiote. Que feras-tu si je refuse de te laisser tranquille? Hein? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Comme si elle était une sainte. Oublie ta taille. Je te demande, Choma, de ne pas faire confiance à ta taille. Hein? Si je m'occupe de toi aujourd'hui, ta peau va changer de couleur. Tu seras méconnaissable. Tu deviendras toute grise. Bien, Choma, que ta taille ne te trompe pas. Que ça ne te trompe pas du tout. Parce que si tu cherches à me provoquer maintenant, je te donnerai la même chose que je t'avais donnée la fois passée. Je vais te refaire les portraits, tu seras méconnaissable. Évite-moi. Ta, tu la fermes. Ta, ferme-moi cette bouche. Voyez-moi celle-là. Parce que je t'avais laissé t'approcher de moi la fois passée. C'est pour cette raison que tu te prends la tête. Hein? Tu avais profité, tu m'avais mordu. Cette fois-ci, ça ne sera pas pareil. Je vais d'abord commencer par tes dents. Je vais t'enlever ces 30 dents. Et ensuite, je vais m'occuper de toi. Regardez-la. Insensée. Stupide fille. Stupide fille. Aimeré, hein? S'il te plaît, oublie-la. L'ignorer? Ha! C'est à cause de toi. Il serait mieux que tu écoutes ton ami. Ça risque de mal se tourner pour toi. Ça, c'est la parcelle de mon père. Je suis née dans cette parcelle, c'est chez moi. Si tu oses, je vais t'attraper des forces, te plier et te briser en deux. Je te l'ai dit, regardez-moi celle-là. Honte à vous! Honte à vous, les prostituées! Voyez-moi ça. Vous mangez du n'importe quoi. Laissez-moi vous dire ce que vous avalez, c'est de la merde. N'importe quoi. Oui, je m'en vais faire la cuisine pendant que vous mangez du n'importe quoi. Mais comment est-ce que vous faites pour avaler cette saleté? Donc c'est les salaires que vous obtenez dans votre travail de prostitution? Des malades. Regardez. Les idiotes. Je dois me mettre en chemin maintenant, hein? Ma mère a un sixième sens comme une sorcière. Ah. Donc, à chaque fois que je ne suis pas à la maison, elle le sait. Donc, je dois commencer à partir. Pas de problème. Oh. Hein? Mais laisse-moi te dire un truc. Tu as failli me tuer. Tu as failli me tuer. J'étais vraiment allé loin. Ah, mais non, dis-moi un peu ton secret. J'aimerais savoir. Dis-moi comment tu fais. As-tu oublié que je t'avais dit que ma mère, hier, quand elle préparait, elle avait mis le gilet dans la sauce? Attends, donc c'est ce produit au grelier, Ali, qui te rend aussi forte? Ah ah. Donc tu ne sais pas qu'au gilet donne de l'endurance, ça donne de la force. C'est stimulant. T'es sérieuse? Oui. Tu sais, dans ces cas, je vais l'acheter pour toi maintenant chaque jour. Tu seras forte tout le temps. Écoute, s'il te plaît. Si tu ne me donnes pas l'argent que tu m'avais promis, je ne le ferai plus. Attends, je te dirai un truc. Je vais te dire un truc. Tu vois, après aujourd'hui, après ce qu'on va faire demain, juste après demain,
Je vais te donner l'argent, je promets. C'est une promesse. Après le match de demain? Après le match de demain. Toi et qui feront ces matchs-là? Je ne ferai absolument rien. Va plutôt me chercher de l'argent. Arrête. On le fera. On le fera. Parce que tu es trop douce. Oui, bébé, tu es vraiment douce. Hein. Arrête. Tu pars? Tu pars déjà? C'est bien, au revoir. Franchement, ma chérie, je te dis, c'est compliqué pour moi ce jour-là. Vraiment. En tout cas. Nina. Nina. Comment vas-tu? Hein? Nina. Elle ne parle pas ni répond aux salutations. J'imagine ce qu'elle ressent pour le moment. Tout en elle montre vraiment qu'elle n'est pas heureuse. Ça n'a pas besoin d'être expliqué. Tu sais, si je peux écrire un livre, je le nommerai « Le jour de grossesse d'une femme aveugle ». Je suis le responsable de la souffrance qu'elle endure maintenant. J'ai laissé mes désirs charnels me contrôler et me dominer jusqu'à me conduire à cette expérience la plus difficile de ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Devrais-je être fier de mes erreurs? Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Je ne supporte plus voir cette fille traverser cette souffrance. À chaque fois que j'ai les yeux fermés, tout ce que je vois, c'est un visage rempli de chagrin qui condamne mon existence nuit et jour. Ô Seigneur, libère-moi de cette souffrance, je t'en supplie. Libère-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je t'en supplie. I like it, that's born once in trouble.
just like your broken heart. On your cock and the cell. Emery. Emery. Comment vas-tu? Obina, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien, oui, tout va bien. Je viens juste te demander une petite faveur. Faveur? Ok, je t'écoute. Je ne sais pas ce dont ton amie Nena a besoin dans sa situation actuelle. Obina, cet intérêt soudain que tu portes à Nena, je ne le comprends pas. Oh non, rien du tout, rien du tout, tu vois. Je suis juste saisi par l'esprit, tu vois. Je veux donc savoir ce dont elle a besoin, tu vois, et savoir que faire. Donc, il n'y a pas de problème, c'est juste ça. Donc, voilà pourquoi je suis venu te voir pour me dire ce dont il faut. Et s'il te plaît, ne me la refuse pas. Je suis surprise, oh. Je suis vraiment surprise. Tu es la dernière personne que je pensais qui pouvait s'intéresser au bien-être des nénas. Ah, ok, d'accord, je comprends, je comprends. S'il faut parler de ce dont elle a besoin, Nena a besoin de beaucoup de choses. C'est une femme enceinte, donc elle a vraiment besoin de beaucoup de choses. Bon, écoute, tant que Nena est concernée dans cette histoire, je ferai de tout mon possible. Bon, s'il te plaît, dresse-moi une liste, hein. Dresse-moi une liste de tout ce dont elle aura besoin. Dresse-moi ça, s'il te plaît. Si tu insistes, alors qui suis-je pour dire non? La liste... C'est bon, ok. Viens t'asseoir, ok? Comme ça, je vais te donner la liste. D'accord, merci. Je vais un peu... oui, c'est quoi? Ce que tu tiens, c'est de la bouillie. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est du lait. Ça, ce n'est pas le bi... Le biscuit, oui. Ah. Il a apporté ça pour toi. Ah. Tout ça, c'est pour toi. Emery, hein? Tu veux dire que c'était un homme qui m'a emmené tout ça? Oui, son nom c'est Obina. Hier, je lui avais remis la liste de ton état de besoin. Et aujourd'hui, le voilà, il a tout apporté. Mais moi, je suis surprise. Oh. Ah, il t'a dit la raison pour laquelle il m'aide? Mais, il n'a rien dit. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il avait l'air sincère. Je suis incapable de voir, mais le truc que je viens de sentir avec mes mains là, il a dépensé beaucoup d'argent, oh. Sérieusement. Bien, je suis très contente. Parce que ma crainte se dissipe. Tu sais, avec toutes ces histoires, mon esprit maintenant est calme. Tu dois bien manger et prendre soin de toi. Ah. Et devine quoi? Emery, je ne suis pas forte en devinette, tu le sais bien, non? Essaye. Je ne sais pas, dis-moi. Ok. Il a aussi promis d'acheter les habits pour ton bébé. Hein? Et beaucoup d'autres choses. Es-tu sérieuse? Oui. Ah. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Oui. Ah, il est vraiment merveilleux. Je te l'ai dit. Ah. Je ne sais même pas comment rire. Des gens pareils existent toujours. Oh. Allez, mais et l'autre là. Oh mon Dieu. Oui. C'est vraiment. Tiens, prends. Oh. Obina. Hé, hey, Obina. Oui. Tu as apporté d'autres choses? D'ailleurs, elle mérite même plus que ça. Oui, je lui dois beaucoup. Je lui dois vraiment beaucoup. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est rien du tout. Tu vois? Elle est vraiment comme une sœur pour moi. Juste ça. Donc, ce n'est que ça. Merci beaucoup.
Je sais qu'elle sera très contente. Ah, ok. Et elle va beaucoup apprécier. Encore une fois, merci. Ouais. Et que mon Dieu bénisse la source des provenances. Amen. Bon, merci. Je dois déjà partir, d'accord? Oui. Bon, tu lui transfères mes colis, d'accord? Je le ferai. D'accord, pas ok. De problème. Prends soin de toi. Au revoir. Oh, mon Dieu. Bye. Salut. Oui. Salut. Odima, bon après-midi. Tu vas bien? Je vais bien. Fais doucement, fais doucement. Merci, merci beaucoup. Fais doucement, fais doucement. Belle fille. Fais doucement, hein. Petit à petit, hein. Au revoir, hein. Prada, hey! En tout cas, cette fille est merveilleusement belle. Hey! Vraiment, elle a vraiment toutes ces choses. Très bonne à manger, cette fille. Hey! Hey! La personne qui a vraiment engrossé cette fille, hein? Hi! J'aurais même aimé que ça soit moi. Regarde comment elle va. Oh mon Dieu. Hey, comme je ne cesse d'admirer cette fille, hein? Hein? Je dois voir cette fille, je jure. Hey. Oui, je l'aurai. Voilà comment elle marche. Oh. Bon, allez, oh. On va se voir, hein? Hey, quelle magnifique fille. Je pense déjà quand je vais enfin la voir. Oh, Obino, mon frère, c'est comment? Oh, mon frère, où vas-tu comme ça? Viens ici. Hey, Bobo. Oui, Obino. Je vais bien. Je vais aller voir quelqu'un au coin de l'avenue, oui. Ah. Je te verrai à mon retour. Laisse-moi voir ce que tu as là. Non, ne le touche pas, Bobo. Je dis que je vais aller voir quelqu'un au coin de l'avenue, non? Je ne traîne pas, mon cher. Je reviens te voir. Ah non, calme-toi, mon ami. Je peux plus voir ce que tu as. Arrête, non? Tu veux voir ce que j'ai? Toi, tu es policier, toi? J'ai dit que je vais aller voir quelqu'un. Toi, tu m'arrêtes là en train de m'embêter. Obina, ah, laisse-moi, je dois partir. Je suis d'ailleurs en retard. On se verra après. Obina, tu me parles comme ça? Ah, prends ça comme tu veux, mon cher. J'ai dit on se verra après. Hein? Je passerai te voir. Je passerai. Obina, quelque chose ne va pas. J'en suis sûr. Ça se voit par son attitude. Tiens, regarde un peu. Prends celui-ci et celui-là aussi. Merci. Attends. Prends aussi cet argent. Je sais que ce n'est pas assez, mais ça peut faire quelque chose. Hein? Et n'hésite surtout pas de me dire dès que tu as besoin de quelque chose d'autre. Oui. Okay? Merci beaucoup. Merci. De rien. S'il te plaît, viens t'asseoir, que je t'apporte à manger. Oh non, ce n'est pas du tout nécessaire. Hein? Bon, j'ai déjà mangé. Il faut juste transmettre mes salutations comme d'habitude, ok? Ok. D'accord. Je pars déjà. D'accord. Ok, prends soin de toi. Au revoir. Bye. Uh-huh. Obina. Hey. Thank you.
Emery, je manque de mots pour ce que ce monsieur est en train de me faire. Je souhaite le rencontrer pour le remercier. Hein? Tu as raison, Nena. Ce que tu viens de dire est vraiment important. Hmm? Je lui transmettrai ton message. Ok, ok. À propos, as-tu mangé? Oui, j'avais mangé, non? Ce que tu avais préparé pour moi. Merci. C'est vraiment important. Je suis ravie parce que tu as tout fini. Après tout, ton bébé en a vraiment besoin. Je suis vraiment contente. Merci. Ok, je dois déjà partir maintenant. D'accord. Pas de problème. Ok. Juste prends soin de toi, ok? Ok, merci. Doucement. Okay. Merci. Oui. Oh, vas-y doucement. D'accord, c'est entendu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas si c'est ça. Partout, c'est comme ça. Si tu ne le sais pas. Maman, je vais aller voir mon ami. Je vais bientôt revenir. Ah bien, Chelukwao, où est-ce qu'elle a pris ces nouveaux habits qu'elle porte ces jours-ci? Maman, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je me démonte. Elle a même porté une perruque pendant que moi je n'en ai pas. Nen a porté une perruque, imagine. Je m'étonne. Ha! Ça me dépasse. Maman, ce que j'ai remarqué est que son amie, cette stupide émérée, vient souvent avec des gros sacs et il y a plein d'histoires dedans. Il est vrai que c'est pas tout le jour, mais elle lui apporte souvent des colis. En fait, amène ton sac ici. Oui, ok. Ah! Je finirai par les découvrir. Hé, maman! Tu ne vas pas y croire, maman. Regarde, elle a maintenant une valise. Une valise? Elle a une valise maintenant. J'ai toujours prié avoir cette valise. Oh mon Dieu, qui peut me l'offrir? Où est-ce qu'elle a eu? Ouvre ça d'abord. Hein? C'est pas vrai. Maman? Hein? Et une bouteille de parfum. Le parfum, maman? Pas, je ne sais pas quoi, où est-ce qu'elle a trouvé ça? Hein? Maman, laisse-moi me parfumer un peu. Hein? Arrête de pomper. Eh ben. Maman, regarde ça. Hein? Le lait. Oui, le lait. Le lait. Oui. Et le biscuit en carton. Où est-ce qu'elle prend ces choses? Eh oh. Le parfum, maman. Tu sens? Tu sens comment? Sans moi, ça sent comment? Sans moi, ça sent bon. Que je te mette? Non, ne me mets pas. Je ne veux pas. Tu sais quoi? Va regarder. Je dois savoir où est-ce qu'elle prend toutes ces choses. Qu'est-ce que tu veux faire? Remets ça dans cette valise. Hey. Laisse-moi découvrir d'abord où est-ce qu'elle prend ça. Remets-le tout dans cette valise. Hey. Elle doit me le dire. Je n'en reviens pas. Hey. Uche, sincèrement, quelque chose ne va pas. C'est quoi alors le problème? Je réfléchis. Sincèrement, je ne suis pas à l'aise avec l'attitude d'Obin à ces jours-ci. Oui, je le sais. Voilà, l'autre fois, j'ai vu Obin en chemin avec un sachet, seulement parce que je voulais le toucher et Obin s'est emporté. Juste comme ça. Juste ça. Parce que je voulais le toucher seulement. Il s'est emporté. Hein? Voilà, donc il s'est fâché comme ça pour ça. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment bizarre. Hein? Est-ce que tu as pu voir ce que contenaient ces emballages? Comment peux-tu me poser une telle question? Je suis un sorcier pour savoir ce qui est à l'intérieur. J'ai touché les sacs seulement et Obin s'est fâché. Alors comment je pouvais savoir ce qui était à l'intérieur? Ok, calme-toi, apaise-toi. Je crois que Obin a besoin d'un peu d'espace.
Laissons-le un peu de temps. Je crois qu'il va bientôt se ressaisir. Il y a quelques jours passés, il avait changé son attitude, mais je crois que ça ira. Je pense que tu as raison. Tu as raison. Il devient vraiment bizarre. Je ne veux pas qu'il m'insulte. Je comprends. Attends. Tu te rappelles encore de l'autre fois? Oui, je m'en souviens, je sais. Bien. Alors, je suggère que nous ayons un œil sur lui. Découvrons ce qui ne va pas chez lui. Et pour ça, on devrait même aller chez lui. Vraiment? Tu suggères que nous devons aller le voir chez lui pendant qu'il nous évite? Allons encore chez lui, comme nous sommes encore des amis. Ça va rien nous enlever. Tu as raison, tu as raison. On part quand déjà? On peut aller maintenant même, à moins que tu aies une occupation. Bon, d'accord, allons-y alors. Obina. Obina. Obi. Qui est là? Obina. La porte est fermée. Regardons-le un peu de l'autre côté. Où est-il encore celui-là? Obina. Où est-il? Où est-il passé? Obina. Attends, viens. Si Obina n'est pas ici, je crois que je peux avoir une idée de là où il peut être. Où c'est? Viens. Tu vois, Obina n'est pas ici non plus. C'est évident. Mais où est-ce qu'il peut encore être? Uche, j'ai le sentiment qu'Obina nous évite délibérément. Ça, ce n'est pas vraiment le problème. Je crois que la question devrait être celle-ci. Pourquoi est-ce que Obina nous évite-t-il? N'est-ce pas? Nous sommes déjà comme ses frères. Alors, s'il ne nous évite pas, alors quelle autre raison peut-il attribuer au fait qu'il se comporte bizarrement? En fait, je sais qu'il y a quelque chose qui dérange Obina. C'est ce que je dis même, non? Mais je me demande pourquoi il ne se confie pas à nous comme ses vrais amis. Quelque chose ne va pas. Si on attend seulement qu'Obina nous dise la vérité, Obina que je connais, il ne fera pas. On va devoir découvrir par nous-mêmes. Allons. Obina. Nena. Merci beaucoup pour les cadeaux que tu m'achètes. Si seulement je pouvais voir, j'allais te regarder droit aux yeux pour te dire merci. Oh, Nena. Mais tu n'as pas besoin de sortir toutes tes phrases pour me convaincre, hein? Je comprends. Et je sais que tu as apprécié, ok? Je devais être une fille très triste. Merci à mon ami Emewe et toi. Nena, ce n'est pas un problème, ok? Je suis là avec toi. Ne t'en fais plus. Toute chose se passera bien. Je te le promets. Tout est déjà bien. Depuis que j'ai surmonté cette situation, tout va très bien. Oui, tout va bien. Mais quant à cet idiot qui avait abusé de toi, il va souffrir toute sa vie. Et pas que ça, la misère sera son ami de tout le jour. Il ne va pas s'en sortir. Eh mais ouais, je n'aime pas me rappeler de ce passé. Aimerait. C'est juste comme elle vient de dire. Ce n'est plus important de lui rappeler le passé. Ok? Ça, c'était dans le passé. Laisse Dieu prendre soin du passé. Nena, ça ira mieux, ok? Merci beaucoup. Merci. Je l'apprécie du plus profond de mon cœur. Ce n'est pas grave, Nena. D'accord, d'accord. Je sens le pied de quelqu'un. Je crois que c'est elle. Oh. Maman, bon après-midi. Salut. Je ne sais pas ce qu'il y a de bon dans cette soirée. Lâche-la toi aussi. Tu la tiens comme ça, c'est quoi ton problème? Reste d'abord calme. Laisse-moi gérer. Hein? Heureusement que tu es venu avec elle, puisque je voudrais que tu poses la question à ton ami. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter tous ces nouveaux habits et cette valise?
y compris ses provisions. Maman, tu veux parler de provisions? Mba, tout ce que tu vois ici. Je l'avais acheté pour elle. Hein? Tu l'as acheté pour elle? Comme qui? Sa mère ou quoi? En tant que qui? Je suis sidérée. Hein? Maman, attends que son amie... Est-ce que c'est mauvais d'aider son amie? Maman, elle est qui l'hôtel? Elle te pose aussi la question. Et si je dis oui, qu'est-ce que tu feras? Dans ce cas, je n'aurai pas d'autre choix si ce n'est pas celle d'aller exposer les problèmes auprès du roi. Écoutez-moi ça. Maman? Elle essaye de me menacer. Maman? Elle veut me menacer. Bien, tu me menaces? Non, maman, je ne te menace pas. J'ai dit cela juste au cas où tu ne voudrais pas que je puisse l'aider, donc je serai obligée d'aller voir le roi. Cette fille essaie de me défier. Maman? Tu menaces ma mère? Attends, est-ce que c'est à ma mère que tu parles comme ça? Je ne la menace pas, c'est juste à titre d'information, au cas où elle ne voudrait pas que je puisse l'aider. Tu continues vraiment à en parler? Tu crois vraiment que ce sera comme la dernière fois? Maman, cette fille cherche des problèmes. Ça ne sera pas comme la dernière fois qu'elle m'avait mordu en utilisant ses dents pourries. Je te comprends. Je comprends. Tu n'es pas une bonne amie. Je comprends que tu es hypocrite. Mais tu fais semblant d'être une bonne amie. Tu vois le résultat de votre prostitution? Pourquoi tu n'es pas tombée enceinte toi aussi? Tu aurais dû avoir toi aussi ton ventre gonflé comme elle. Hein? Hein? Pétasse. Hypocrite. Et où? Emery! Emery! Biko, dis à ton ami l'aveugle de rester loin de Obina. Je ne veux pas de ça. Hein? Elle n'est plus disponible pour moi. Dis à ton ami d'enlever ses charmes qu'elle utilise sur lui. Hein? Je ne sais plus l'avoir avec moi. C'est quoi cette histoire? Hein? Avertis-la de rester loin de lui. Bien. À coup de ou je ne sais moi comment on t'appelle. Donc tu as le courage d'entrer dans la parcelle de mon père et ouvrir cette bouche pour me vomir cette saleté? Ça ne va pas? Je n'ai rien dit. Je te demande juste une seule chose. Avertis ton ami. Puisque la prochaine fois que je mettrai mes pieds dans cette parcelle, ça ne s'arrêtera pas qu'avec de paroles. Tu es averti. Bon à rien. Hein? Moi, bon à rien? Eh bien, c'est moi que tu qualifies de bon à rien. Toi, petite souris. Hein? Tu m'as mordu! Elle m'a mordu! Sorcière! Sorcière! Insensé! Reviens ici et tu verras, tu n'as rien vu. Hein? Tu entres dans la parcelle de mon père et tu essaies de me brutaliser? N'importe quoi! Idiote! Reviens si tu es une femme. Pouvez-vous imaginer? Hein? Elle a eu le kilo d'entrée jusqu'à chez moi pour me brutaliser. Je vois que tu ne me connais pas, j'aurais dû te mordre sérieusement. Tu comprends ce que je dis? Oui, je t'ai dit, c'est vrai. C'est très amusante. Obina. C'est bien toi? C'est quel genre de question ça? Hein?
Non, ce n'est pas moi. C'est mon fantôme. Donc, je suis tellement petit que tu ne me reconnais plus. Ah ah, tu vois mon problème avec toi, Obina. Pour répondre à une simple question, tu compliques. Ah ah, tu ne peux pas lui répondre directement? Ok, Obina, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, dis-le-moi parce que je suis occupé avec quelqu'un. Je dois partir. Obina, je voulais seulement me rassurer que c'est vraiment toi. Tu vois? Tu vois? Tu n'as rien à dire maintenant. Tu n'as réellement rien à dire. Je viens de te dire que je vais avec Nena quelque part et c'est très important. Vous sortez de nulle part et vous voulez donc tout gâcher. Il n'y a pas de problème. Nous sommes heureux de ce que nous avons fait. Ah, je suis aussi heureux. Félicitations à oui, vous. Oui, c'est bien fait. Nena, c'est moi Uche. Comment tu vas aujourd'hui? Je bien, vais bien, bien merci. Elle va bien. D'accord, alors. Elle va bien. Partons. Emere, Biko, dis à ton ami l'aveugle de rester loin de Obina. Je ne veux pas de ça. Hein? Elle n'est plus disponible pour moi. Dis à ton ami d'enlever ses charmes qu'elle utilise sur lui. Hein? Je ne sais plus l'avoir avec moi. C'est quoi cette histoire? Hein? Avertis-la de rester loin de lui. Bien. À coup de ou je ne sais moi comment on t'appelle. Donc tu as le courage d'entrer dans la parcelle de mon père et ouvrir cette bouche pour me vomir cette saleté? Ça ne va pas? Je n'ai rien dit. Je te demande juste une seule chose. Avertis ton ami. Puisque la prochaine fois que je mettrai mes pieds dans cette parcelle, ça ne s'arrêtera pas qu'avec de paroles. Tu es averti. Bon à rien. Hein? Moi, bon à rien? Imbécile, c'est moi que tu qualifies de bon à rien. Toi, petite souris. Hein? Tu m'as mordu! Elle m'a mordu! Sorcière! Sorcière! Insensée! Reviens ici, tu verras, tu n'as rien vu. Hein? Tu entres dans la parcelle de mon père et tu essaies de me brutaliser? N'importe quoi! Idiote! Reviens ici, tu es une femme. Pouvez-vous imaginer? Hein? Elle a eu le culot d'entrer jusque chez moi pour me brutaliser. Je vois que tu ne me connais pas, j'aurais dû te mordre sérieusement. Jusqu'à t'arracher la peau. Emelie, Emelie, tu m'as mordu. Cette fille est une chienne. Comment elle peut me blesser comme ça? Maintenant, ça me fait de douleur. Hey! Mon Dieu va continuer à punir mes ennemis. Il continuera à ajouter la douleur dans la vie de ceux-là qui m'ont trahi. N'ose même pas t'approcher de moi. Sinon ça fait mal à Kudo. Je vais me venger sur toi. Je dois voir la personne qui t'a fait ça. Cette personne mérite un mot. Mais attends, il devait t'enterrer pour que tu arrêtes de suivre Obina. Je ne sais même pas quoi te dire. Va-t'en, propriété abandonnée. Idiote. N'importe quoi. Hey, Lena, ma chère. Une stupide fille était entrée dans la parcelle de mon père hier. Tu aurais dû être là. Elle a dit que tu es la raison pour laquelle Obina l'a rejetée. Elle a aussi dit que tu utilises du fétiche pour l'hypnotiser. Tu n'es qu'aimé. Fétiche? Mais c'est pas la fin de l'histoire. Avant que je ne dise mot, elle avait déjà commencé à me donner des gifles. Oh mon Dieu! Nena! N'est-ce pas que tu me connais? Je ne m'étais pas laissé faire
Je l'avais attrapé et je l'ai mordu comme un bulldog. Je l'avais cogné la tête avec une planche et je l'avais mordu. Hein? Je ne m'étais pas laissé faire. Je lui ai donné une très bonne leçon. Qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Ah ah! Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle parle des fétiches? Moi, Nena. Ah, en tout cas, c'est très compliqué. Je ne comprends rien du tout. Cette stupide fille. Ne lui prête pas attention, ok? C'est une idiote, une stupide fille. Sois tranquille, ok? Si Selma essaie de venir à nouveau, je suis prête pour elle. Qu'elle n'essaye même pas de venir. Ne t'en fais pas. Ah, ces paroles sont très dures. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Changeons de sujet, ok? Fétiche. Changeons de chapitre, hein? Je sais que tu étais avec Obina hier. Et vous n'étiez que tous les deux. Alors, raconte-moi tout. Allez, Nena, parle. C'était juste comme d'habitude, oh, non? Juste comme ça? Es-tu sûre? Oh? Si tu le dis alors, pas de problème. Je suis d'accord. Obina? Oui? Je ne veux pas avoir de problème avec toi, car tu es mon ami. Je n'étais pas content de ton attitude d'hier. D'accord, mes chers. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu fais toujours n'importe quoi. Tu trouves toujours des solutions pour le couvrir. Tu es désolé. Juste comme ça. C'est quoi la raison? Dis-nous maintenant. Ah, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Oui, il faut nous répondre. Ok. Est-ce que c'est un problème de se faire ami à une fille? Non, Obina. Personne n'a dit que c'était un crime. Mais le problème est que tu as totalement changé. Okay. Tu n'es plus le même Obina que nous avons connu. Comment? Je ne suis plus le même. Oui, je te dis ce qui est vrai. Plus le même. Seulement parce qu'elle est aveugle? Non, dites-moi. C'est maintenant un crime de fréquenter une fille aveugle? Obina, qui a dit que c'est un crime? Qui a dit que c'était un crime? Ce n'est pas un crime, mon ami. Mais voici le problème. Comment se fait-il, toi, Obina, que nous connaissons très bien? Les champions du village. Les grands coureurs de jupons. Le plus beau du village pour qui tout le monde peut mourir. Incapable de rester avec une selfie. Comment se fait si tu as une selfie maintenant? Et la seule fille, elle est aveugle. Et cette même fille est encore enceinte. Obina, explique-nous ça. Laissez-moi vous faire comprendre. Oui, vas-y. C'est même Obina que vous avez connue. Ce coureur de jupons-là a maintenant changé. Et j'ai choisi de vivre avec cette fille. Et la fille dont je parle, c'est celle-là, l'aveugle. Et cette fille aveugle, c'est la même aussi qui est enceinte. Et j'ai choisi de vivre avec elle. Et vous n'avez pas le droit de me dire avec qui vivre. C'est pourquoi tu t'énerves? Mais oui, c'est pourquoi je m'énerve. Je pensais que vos discussions étaient importantes. Vous me posez des questions qui n'ont pas de sens, qui n'ont vraiment aucun sens. Ça ne marche pas. Franchement, je vous dis, si vous n'avez pas de sujet important, ne venez pas me voir. Je vous l'ai dit, ne venez pas me voir. Ne me cherchez pas. Regarde un peu, Obina. Tu comprends maintenant ce que je t'avais dit. Obina avait vraiment se jouer de nous. Je t'avais bien dit. Oui, hein? laisse-le un peu. Est-ce que sa mère et sa sœur savent qu'elle est ici? Toutes ces filles qui courent derrière Obina aujourd'hui, est-ce qu'elles savent qu'Obina utilise Caro White? Ne t'en fais pas, laisse Obina. Est-ce qu'elles savent qu'Obina a commis un crime? Laisse-le. Parce qu'on le fait en secret? D'accord. Il va falloir le découvrir. Et si j'attrape Obina, je vais chasser ce village. Ne te dérange pas, nous frère, allons-y. Ne t'inquiète pas. Obina. Oui. Ah. Tioma. Ah. N'est-ce pas que c'est toi, Obina? Exact, c'est moi. Bienvenue dans notre maison. Ah, merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ah, c'est en une bonne place. Chose. Merci beaucoup. Où est Nena? Nena? Oui. La Nena aveugle? Oui. Je venais tout justement de la chercher chez son ami, mais malheureusement, elle n'y est pas. Et j'ai donc décidé de venir par ici. Donc, tu es venu ici pour chercher Nena? Oui. Est-ce que ça pose un problème? Antoine, donc tu as quitté chez toi jusqu'ici pour venir chercher l'aveugle Nena? Tioma? C'est toi? Ah, Nena. Oui? Oui, c'est bien moi. Ah! Ah!
Tu es à la maison? Oui. Laisse-moi t'aider. Ah, comment tu vas? Je vais bien. Oui, je vois que tu vas bien. Hein? Tu as déjà mangé? Oui. Tu es sûr? Tu veux manger quelque chose d'autre? Allons-y. Je vais t'acheter quelque chose d'autre. D'accord. Bien. Laisse-moi t'aider avec ça. Merci, d'accord. Okay? Bien, fais attention là, ok? Fais attention. Maman, Obin était venu aujourd'hui voir Nena. Encore, tcha? Dis-moi que c'est faux. Hey! Hey! Je le savais. Je savais qu'un homme était derrière tous ces habits nouveaux et toutes ces provisions. Ah, maman, non. Mais tu étais là quand Hébert avait dit que c'est elle qui avait acheté pour Nena. Tu l'as cru. Tu es vraiment naïve. Hein? C'est ce garçon! Hein? Hey! Obina, les garçons font l'option. Aidez Dimba. Il sort avec cet aveugle. Yeah, mais maman, Obina n'a absolument rien. Il se balade partout dans les villages. Il n'a même pas de travail. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Souvent, les garçons des riches se font passer pour un rien. Hein? Oh, Diego. Son père, Diego Baga, a été très influent. Malgré que, après sa mort, son frère, l'oncle de son fils, s'est accaparé de... tout l'air bien. Sache qu'Obina va remporter au tribunal puisque son père a laissé un testament. C'est quand il va remporter, hein? C'est là que tu vas sentir. Arrête de rêver. C'est avec ce genre de garçon que tu dois t'associer. Arrête de traîner avec ces pauvres musiciens. Maman, non. Je préfère mon futur musicien. Mbaka, n'essaye même pas. Maman, arrête. Très bientôt, il va se démarquer de toute sa génération. Elle va rejoindre sa position. Hmm? Écoute-moi, tu dois les suivre. Il a beaucoup de probabilités de remporter sur ces dossiers. Cette beauté que tu as héritée de moi, avec ce corps, à deux, vous ferez un très bon couple. Vous êtes tellement compatibles. Ce garçon est très mignon. Est-ce que tu le regardes bien? Hein? Hein? Ça fera une très bonne complicité. Hein? Hein? Ah bon? Hmm? C'est l'œil aveugle. Toi, tu es encore habile et apte à tout. Tu dois sortir avec Obina. Maman, non, je ne l'aime pas. J'aime mon futur musicien. Cherche comment te rapprocher de Obina. Je n'ai qu'une parole, c'est une instruction, c'est un ordre. Je ne vais pas me répéter. Emery, merci. Je t'en prie. Nena, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Qu'est-ce que c'est? Que penses-tu d'Obina? Que veux-tu dire? Nena, tu sais de quoi je parle. Arrête de faire semblant. Je crois qu'Obina t'aime. Oh, ça? Je... Emery, j'ai vraiment un pressentiment à propos. Des fois, je ressens qu'il m'aime. Et des fois, je ressens comme s'il n'a que pitié de moi. Faut pas dire ça. Je ne te crois pas. Ce que je vois chez Obina, c'est de l'amour. Obina t'aime, c'est pas de la pitié. Tu te trompes. Emery, regarde mon état. Hein? Regarde mon état, je suis aveugle. Nena, arrête de dire ça. Je n'apprécie pas cela. Qui t'a dit que les gens avec une infirmité n'ont pas droit à l'amour? Qui t'a dit ça? Arrête de parler comme ça. Je suis confuse. Nena, tu n'es pas confuse. Je connais ton problème. Tu te laisses consumer par les complexes d'infériorité. Et c'est pas bien. Tu dois sortir de ces trous. Je te l'ai dit. Tu es une bonne fille. Tu es une très jolie fille et tu mérites tous les bonheurs du monde. Obina t'aime pour de vrai. D'ailleurs, d'autres hommes aussi te désirent. Hormis le fait que tu sois aveugle, tu as droit à l'amour. Sois heureuse, mon amie. Tu peux aimer celui que tu veux. Je vais essayer. Essaye vraiment, ok? Promets-les-moi. Hein? D'accord, je promets. Hein? Emery! Où est Nena? Hein? Bonjour, maman. Où est-elle? Nena. Nena était allée à l'église. Église, tu dis?
Ah ah. Elle n'a dit à personne qu'elle allait à l'église. C'est parce qu'elle ne savait pas qu'elle irait à l'église. Quand elle était arrivée ici, soudainement, elle avait eu envie d'y aller. C'est pour ça qu'elle... Es-tu sûre qu'elle n'est pas dedans? Non, elle est à l'église. Ok. Elle n'est pas dedans. Es-tu sûre? Elle n'est pas là. Au revoir. Es-tu sûre qu'elle n'est pas dans cette maison? Elle était à l'église. Ok. Elle est à l'église. Hey! C'est depuis quand qu'elle a commencé à chercher Nena? Cette femme planifie quelque chose. Mon esprit me dit qu'il y a quelque chose. Mais peu importe, elle ne réussira pas. Tu vas échouer. Oh Nena, je suis désolée si tu n'as pas aimé. Ce n'est pas un problème. Tu es sûre? Alors, c'est quoi le problème? Au fait, c'est mon premier baiser. Ah? Bon, je sais que c'est ton premier baiser. Hmm? J'ai ajouté le deuxième. Nena, écoute, donne-moi d'abord ça. Nena, aussi longtemps que tu seras en vie, permets-moi d'être ton guide. Laisse-moi te conduire dans la bonne direction. Je veux que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire pour moi? D'accord. Allons-y. Viens, 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 mon ami. Approche-toi de ce côté. D'où viens-tu? Maman, bon après-midi. J'étais chez Mewé. Es-tu malade? Comment tu oses me mentir? Folle! Je viens d'être chez Mewé il y a quelques heures. Elle m'a dit que tu allais à l'église. Et te voilà maintenant en train de me dire que tu étais chez elle. Maman, j'étais d'abord partie chez elle avant d'aller à l'église. Elle a dit la vérité. Es-tu malade? Es-tu malade? Hein? Vous êtes toutes les deux de menteuses. Disparez de ma présence. Disparez! Idiote. Un jour, la vérité se saura. Tout ce que tu fais dans la cachette sera exposé. Folle.
Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle sourit? Elle est censée être triste et pleurer. Est-elle devenue folle? Hé! Regardez-la, elle touche, voire même ses lèvres. Elle rit, voire même. Hé! Rien. J'espère qu'elle n'est pas devenue folle. Hey, elle t'a giflé. Mmh. Hey, cette femme est très méchante. J'étais étonnée quand elle avait débarqué ici hier. J'étais vraiment étonnée. Alors, je pensais que tu allais passer par ici pour que je te raconte tout, mais tu n'étais pas venue. Ma belle, je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi est-ce que ces gens me contrôlent. Hein? Ils ont maintenant leurs yeux sur mes affaires. Ils veulent savoir où est-ce que je pars et qu'est-ce que je fais. Des fois, je me dis qu'ils contrôlent aussi mes rêves. Je ne suis pas surprise. À quoi est-ce que tu t'attends? Je crois que ces dés-là sont intimidés par ta nouvelle garde-robe. Elles sont complexées. Elles ne s'imaginaient pas que quelque chose de bon pouvait provenir de toi. C'est ça où elles sont jalouses, hein? C'est ça. Tu as raison. Oui. Ignore-le. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Obina? Il m'avait fait un baiser. C'est vrai, ça? Alors viens, viens Oscar, viens t'asseoir et raconte-moi tout. Tu sais que j'adore les détails. Viens. Salut. Qui est là? Oui. Joma. Encore toi? Oui. S'il te plaît, je cherche Nena. Elle n'est pas là. Ah. Où est-elle partie alors? Mais écoutez-moi ça. Suis-je ton ange gardien? Comment suis-je censé savoir là où elle est partie? Je viens de te dire qu'elle n'est pas là. Nena! 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 Ah ah! Nena! Mais pourquoi tu fais du bruit dans ma maison? Tu es là en train de crier, Nena, Nena, Nena. Veux-tu me boucher le tympan? Je viens de te dire qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Hé, hey, attends. Est-ce que c'est pour elle, ça? Oui, c'est pour elle. Alors pourquoi veux-tu partir avec ça? Laisse comme ça, je lui donnerai. Non. Ok, ce n'est pas grave. Je reviendrai avec quand elle sera de retour. Idiot, voyez-moi sa tête. Comme une noix de coco. Pour qui tu te prends? Que je te vois à nouveau dans cette parcelle. N'importe quoi. Ma chère, c'est-tu que Obina sort maintenant avec Nena? Oh, tu me l'avais déjà dit. Pourquoi est-ce que tu le répètes? Hein? Ma sœur, veux-tu me blâmer? Tu ne sais pas que c'est déroutant. Qu'est-ce qui te rend confuse là? Du fait que cet homme soit amoureux? Combien de hommes peuvent faire ce que Obina est en train de faire, sortir avec une femme aveugle et puis enceinte? Bien sûr que c'est ça. Mais c'est déjà arrivé. Je souhaiterais avoir un homme qui pourra m'aimer ainsi. Je suis aussi d'avis. Mais allons-y, ces bois pèsent énormément. En tout cas, on doit partir. Tourne mon bébé. Voilà, ma chérie. Tourne mon bébé. Tourne. Laisse-moi voir ça. Tourne bien. Tourne. Oui, ma chérie. Tourne. Quelle stupidité. Tourne. Oui, ma chérie. Tourne mon bébé. Tourne mon bébé. Tourne bien, ma chérie. Voilà, tourne. C'est donc pour toi ce chant de baby. Hein? Non, continue. Continue de danser comme tu le faisais. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Hein, tu oses me poser la question?
Tu oses me poser la question? Hein? T'es une folle. Qu'est-ce que tu fais avec ces ratés? Ha! Ah. Maman, pourquoi tu m'appelles raté? N'es-tu pas un raté? Ah non, s'il te plaît, super maman, raté. Maman, moi, s'il te plaît. Mon petit ami n'est pas un raté. C'est un mais futur bon. Musicien. Ouais. Oui, mon bébé, laisse-moi voir laisse-moi ça. Laisse-moi vous chauffer avec ce fouet. Oh, oh! Tu oses l'appeler ton copain à ma présence? Oui, bien sûr, maman. Hein? Elle est en train de faire ce qu'une bonne femme doit faire. Oh. Elle est en train de protéger son mari. T'inquiète, maman, je peux chanter pour toi aussi. Oui, ma chérie, vas-y, danse. Regarde oui, son ma chérie. Visage, comment les bras bougent, ah, juste comme un singe. Maman, un instant. Avant que tu ne viennes, on planifie notre futur. Oui. Ok? On planifie les choses. J'espère que oui, tu comprends. Oui, ma chérie, vas-y, danse. Oui, ma chérie, vas-y, danse. Laisse foutre sa bouche sur cette sale bouche. Agatha, baby, sur mon investissement, idiot. Je ferme mes yeux. Je compte jusqu'à deux. Si je les ouvre et que vous êtes toujours là, vous verrez ce que je vais vous faire. Un. Deux. Oh, tu oses me défier? Maman, tu oses maman, me défier? Maman. Tout ce que j'ai investi en toi, tu veux les solder ici? Tu fais pourquoi? Reste là, on va parler des femmes en femmes. Mais c'est quoi tout ça? Je n'aime pas ce genre de choses, je n'aime pas. C'est quoi tout ça? Hein? Écoute, tu as mis mon bébé, que vous le vouliez ou pas. Oui, ça va rester comme ça. Hein? Pourquoi nous déranger comme ça? Hein? Vous voulez détruire notre amour? Impossible. Tu veux dire quoi? Maman, bien, bien, maman, bien, bien. Maman, je n'aime bien. Pas ça. Oh. Si je t'attrape avec mes mains, tu vas regretter ce que je vais te faire. Maman, mais qu'est-ce que c'est? Toi-même. Je dois te frapper. Je dois te recadrer. Oh, avec maman, ce fouet. Non, arrête. Tu me fais courir. Viens te soumettre. Tu veux finir ta vie avec ces villageois. Un tonneau vide. C'est lui que tu m'as amené comme beau-fils. Maman, il n'est pas ce que tu dis. Hein? C'est un futur star. Très bientôt, il va aller aux États-Unis et il aura beaucoup d'argent avec ses chansons. Yo, ya, yo. Tu as vraiment perdu tes sens. Maman. Imbécile. Hein? Cette affaire qu'on est la naissance, ce n'est pas la vie. Une cécité sort avec un homme raisonnable. Toi, tu veux traîner avec un gars qui ne sait même pas quoi faire de sa vie. Hein? Donne-moi tes mains. Maman, c'est comme je le disais, c'est un futur star, c'est un futur musicien. Maman, très bientôt, il va gagner beaucoup d'argent et ses chansons feront le tour du monde. Tu continues de faire des commentaires. Maman, tu continues de parler. Maman, je ne peux pas. Reviens ici. Reviens. Oh. Tchoma, ouvre cette porte. Tchoma, ouvre la porte. Je dois te frapper. Ok. Le mieux pour toi serait de te soumettre, oh, puisque je dois te frapper. Avant de dormir aujourd'hui, je suis là devant la porte. Je t'attends. Je t'attends ici dehors. Ok, je verrai là où tu vas sortir. Regardez-moi cette fille. Elle veut finir sa vie avec ce gaillard zéro. C'est quoi cette malédiction, oh mon Dieu? À moins que je ne sois pas ta mère biologique. Ouvre-moi cette porte. Sûrement, ouvre-moi cette porte. Je vais les forcer pour entrer là-bas. T'en fais pas. Nous sommes déjà la soirée. Que tu le veuilles ou pas, tu finiras par l'ouvrir. Et on verra moi et toi ici. Et où? Pas de problème. On est métier. Oh, Nena, tu as l'air inquiète. Quelque chose te dérange? Je ne comprends pas le rêve que je fais ces derniers temps. Peux-tu m'en parler? Autrefois, j'avais vu Obina assis quelque part en train de pleurer dans mon rêve. Il était vraiment en train de pleurer. Et lorsque je m'étais approchée de lui, il s'était mis à genoux en train de me demander pardon. Obina en train de pleurer? Il s'est mis à genoux en te demandant pardon? C'est un rêve étrange. C'est quoi ce genre de rêve? Je ne sais pas. Je souhaite avoir une bonne explication à propos. Ah. Mais je te demanderai de lui en parler quand vous serez ensemble. Le rêve, des fois, c'est des messages. Mais ça m'a l'air vraiment étrange. Je ne comprends pas. Je vais le lui dire, mais pas maintenant. Si ce rêve persiste, je vais le lui dire. Je ne veux pas qu'il se dérange. À propos. Oh, tu as raison, mais rassure-toi de lui en parler. Parce que moi aussi, je suis confuse. Hein? Rassure-toi de lui en parler, mais la chose la plus importante est que tu ne dois pas laisser ses rêves te tourmenter. Ok? Tu dois faire l'effort de banaliser. Tu m'entends?
Obi, c'est ici que tu es. On t'a cherché partout au village. Obi, es-tu en train de pleurer? Obina, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pleure pas. Quelque chose m'a piqué aux yeux. Obina, nous ne sommes pas des petits-enfants. Comment tu peux nous dire que quelque chose est entré dans ton œil quand on voit clairement que tu es en train de pleurer? Ah, je dis que je ne pleure pas, ton non? Ton visage est rempli de larmes, puis ça se voit. Obina, je comprends ton problème. Tu as toujours la douleur de tes parents décédés, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête de pleurer. Sois un homme. Pouvez-vous partir et me laisser seul? Je vais rester seul. Laissez-moi seul. Ouf. Obi, calme-toi, s'il te plaît. Nous comprenons comment tu te sens. Peu importe comment tu te sens, ce n'est pas bien de pleurer. Ils ne vont jamais revenir. Ils sont morts. S'il te plaît, tu dois seulement être fort. Pleurer ne peut rien changer en ce moment. Laissez-moi juste seul, laissez-moi seul. Je vais un peu rester seul, j'ai envie d'être seul. Laissez-moi seul. Bon, nous sommes en train de partir. Sois fort, ok? Ok, mais calme-toi s'il te plaît. Uche. Oui, Bobo. Je sens qu'Obina nous cache quelque chose. J'en suis sûr. Quelque chose ne va pas. Je crois que tu as raison. J'ai un sentiment étrange. Comment est-ce qu'Obina peut pleurer aussi désespérément comme ça après toutes ces longues années? Ses parents sont morts il y a longtemps, mais il pleure comme si c'était tout récent. Je pressens la même chose. Ok. Ses parents sont décédés il y a 10 ans passés. Et qu'est-ce qui a ramené cette douleur? Attends un peu. Est-ce qu'il pleure comme ça pour son héritage? Je crois que nous ne sommes pas loin de la vérité. Il avait dit que son dossier avec son oncle était en justice. Peut-être qu'il a perdu ses dossiers. Tu as raison. Hey. Alors si c'est à cause de ça, alors il est capable de le faire tomber. Aucun homme ne peut rester vivant et regarder notre homme prendre sa gloire comme ça. Il doit faire quelque chose. Ah, Bobo, Obina que moi je connais est un homme fort. Et son père avait beaucoup de biens. Sûrement, il est en train de penser à l'héritage de son père. Obina ne peut pas rester dans ces états sans avoir un problème. Il ne le fera pas, j'en suis sûr. Une chose me semble encore bizarre. Cette histoire est bizarre. Vraiment, mon cher. On finira par le savoir. Cette histoire n'est pas claire. Hey. Ah, maman. Oh, il est nia. Maman, fils, bon après-midi. Maman, comment maman, tu vas? Maman, je vais bien. Arrête. Je me débrouille, oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu dis? Merci, maman. Tu te débrouilles. Oui, maman. Tu te débrouilles bien dans ce cas. Ena, je cherche comment te voir. Ah bon? Maman, je crois qu'il n'y a pas de problème. Non. Et un dit-on qui dit qu'un homme prudent voit le mal de loin. Hein? Oui, oui, maman, oui, hein? Vous avez raison. Quand je constate quelque chose de pas bien et tant que mère, je dois t'en avertir. J'ai constaté que tu te rapproches beaucoup de cette fille aveugle. Je me suis demandé qu'est-ce qu'un homme beau et riche comme toi peut avoir avec cette fille aveugle. Ah, je n'arrive juste pas à comprendre d'où vous sortez tout ça. Ce que j'essaie de dire est que tu es quelqu'un de niveau. Tu es de rang social élevé. Hein? Tu ne dois pas te mêler avec les gens de classe moyenne ou encore de basse classe. Cette fille, hein? Cette fille aveugle, elle est ici d'une lignée de sorciers. Toute sa famille. Du côté de sa mère et non du côté paternel. Comment tu peux aussi être confortable d'être à côté d'une telle personne? Toi et ma fille Thioma, vous êtes presque de même niveau. Crois-moi, elle va te convenir parfaitement. Tout ce que cette aveugle te donne, elle peut te le donner 100 fois.
Ok, maman, j'ai entendu. Et je vais penser à ça. Non, ne donne pas l'impression de quelqu'un qui prêche dans les déserts. Oh? Ok, maman. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Oh. Merci. Merci, je t'apprécie beaucoup. Merci, hein. Bonne route. Un robuste comme toi finira avec cet aveugle. Non, ce n'est pas possible, non? Hein? C'est inadmissible. Que tu es sorcière et comment tu as pu tuer tes parents et beaucoup de choses qu'elle a pu dire, des choses vraiment terribles. Vraiment terribles. Toutefois, je ne suis pas surprise à propos. Ces gens me détestent avec toute leur passion. Ah, je suis vraiment très désolé pour toi, hein? Mais dis-moi un peu. Ok. Comment est-ce que tes parents sont décédés? Ok. On m'avait dit que ma mère était morte juste après m'avoir mise au monde. Et mon père n'avait pas supporté ces chocs. Et une année après, il était mort. Ouf. Je suis vraiment très désolé. Ok? Ok. Je comprends ce que tu ressens. Merci. Tu sais, je suis aussi orphelin. Oui. En fait, j'ai aussi perdu mes parents pendant qu'ils étaient en chemin pour se rendre en ville. Et où? C'était vraiment dur pour moi. Après que je voyageais et j'avais un peu changé de milieu avant de retourner au village. Mais avant que je n'y retourne, mon oncle avait pris tout ce qui appartenait à mon père, y compris notre maison. Ah ah! C'est pourquoi je suis là. Je me débrouille. Ah, pourquoi non? Ah. Oh. C'est méchant. Désolée pour la mort de tes parents. Je sais que c'était vraiment terrible. Oui, très triste. Chai, que vas-tu alors faire à ton oncle? Oui, le dossier est en justice. Et ça sera tranché dans quelques semaines. Ok. Oui, et je suis très sûr que ça sera en ma faveur. Et je vais récupérer tous les biens de mon père. Hmm? Ça sera une bonne chose. Bon, dis-moi, que vas-tu prendre? Moi, j'ai acheté quelques oranges, je ne sais pas, mais je crois que tu vas les aimer. Attends, je t'amène quelques-unes. J'ai des oranges que tu vas aimer. Attends, je viens. Ok, merci. Hey. Il est aussi un orphelin. Chai. Dieu merci, je t'ai croisé. Je venais chez toi. Ah bon? Je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Je suis venue te dire que je t'aime. Et j'aimerais que tu sois mon petit ami. Juste comme ça. Ah, mais c'est quoi cette question? Tu es un beau garçon et je suis une jolie fille. Le sujet est clos, alors commençons à nous aimer. Qu'est-ce que tu en dis? Tioma, je vois très bien que tu n'as rien de sérieux à me dire, n'est-ce pas? Ah, de quelle autre manière veux-tu que je le dise pour que tu saches que je suis sérieuse? Veux-tu que je me mette à sauter, à rire ou à pleurer? De quelle autre manière veux-tu que je le dise pour que tu saches que je suis sérieuse? Bon, mais tu dois savoir, je ne peux pas me permettre de visiter une autre fille parce que je suis en relation avec quelqu'un d'autre et tu la connais. Nena, oui. Tu vois, j'ai vraiment arrêté de fréquenter toutes les autres filles, à part elle. Je ne vais pas briser son cœur. Je l'apprécie tellement beaucoup. Bref, je l'aime. Hein? Oui. C'est ça ta dernière réponse? Oui. Te dérange pas. Sois calme. Je voulais juste l'entendre de toi-même. Oh, merci beaucoup. Bye. Dieu merci, il a été clair. Il a dit qu'il ne l'aime pas. Parce que moi aussi, je ne l'aime pas. C'est mon futur musicien, mon Izu, que j'aime. Oui, c'est ma mère qui me pousse vers lui. Ah, de quoi je me mêle? Je vais juste inventer une très belle histoire pour la raconter à ma mère. C'est ce que je ferai. C'est pas mes affaires.
Ah, ah, tu es rentrée. Ah, maman, je reviens t'es là. J'étais allée là-bas pour lui dire que tu m'avais envoyé pour le séduire. Et il m'a chassée de chez lui. Hein, maman, il a même ajouté que je t'ai possédée. Maman, c'était juste après avoir fait des mouvements, des danses sensuelles, des danses de séduction. Il m'a dit que je t'ai possédée, que je partais chez lui. Tu n'as pas tort. Tu es possédée pour de vrai. Attends, tu allais lui dire que c'est moi qui t'ai envoyée pour le séduire. Eh, bien sûr. Devrais-je garder silence ou soit mentir? Ah non, maman, tu sais que je n'aime pas mentir. Tu es de quelle planète? Ah, maman, mais c'est quoi cette question? Ah, je suis originaire de ce village, précisément dans la famille de Njoko. La fille de Madame Salomé. Et je me tiens devant elle. Hé, Dieu! Pourquoi tu m'as donné une clown pour une fille? Mais pourquoi m'appelles-tu clown? Tu m'as envoyé et je fais exactement ce que tu m'avais demandé. Alors qu'est-ce que je fais de mal? Maman, j'ai tout fait. J'ai même dansé des danses que je ne connaissais pas. Si seulement tu avais vu comment je bougeais mon corps, tu allais être fière de moi. J'ai fait tout ce que tu m'avais dit, mais il n'a pas voulu de ça. Il m'a fait sortir. Alors, qu'est-ce que je fais de mal? Dis-moi. Disparais de ma présence avant que je ne crache sur toi. Disparais, fais vite. Va-t'en. Folle. Et Zou, tu dansais comme ça, comme je t'ai dit de faire. Pourquoi tu peux aller lui dire que je t'ai envoyé les séduire. Arrête de me regarder. Hey. Hey. Mm-hmm. Nena. Hein? Il y a quelque chose que je veux te dire. Tu as l'air inquiet. Mais avant que je ne dise un mot, je veux que tu saches que je suis une nouvelle personne. Je regrette mon passé. Mais je t'aime beaucoup. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Tu pleures. Nena, c'est à cause de ta grossesse. De quoi parles-tu? Nena. J'étais cet homme. Nena, j'étais cet homme qui t'avait violé. Mon Dieu! Oui. Dis-moi que tu mens. Dis-moi que tu mens. Non, non, je ne mens pas. J'étais cet homme méchant qui t'avait violé. Ah, tu es la personne qui avait ôté ma fierté. Tu m'as fait souffrir. Tu n'as même pas eu honte de t'approcher de moi. Tu n'as pas eu honte de t'approcher de moi. Nena, je suis désolée, Nena. Je suis désolée, j'ai changé maintenant, Nena. Nena, j'ai déjà changé, Nena. Écoute-moi bien. N'ose plus jamais t'approcher de moi. Ne dis pas ça, s'il te plaît, Nena. Je te dis. Ne dis pas ça, Nena. N'ose plus jamais. Même si je meurs aujourd'hui. Cette décision va te tuer, Nena. Écoute-moi, Nena, s'il te plaît. Ne t'approche plus jamais de moi. Tu es méchant. Nena, arrête, s'il te plaît, Nena. Jusqu'à maman, ne t'approche plus jamais de moi. Nena, je suis maintenant une nouvelle personne, Nena. S'il te plaît, Nena. Nena. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas. Nena, laisse-moi t'aider. Nena, laisse-moi t'aider. Ne t'approche pas de moi, je refuse. Nena, s'il te plaît, Nena, laisse-moi t'aider. Je suis une nouvelle personne, Nena. Nena, Nena, s'il te plaît. Nena, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. Nena, laisse-moi t'aider. Ne t'approche pas. Je refuse. Ne t'approche pas. Même si je meurs aujourd'hui, ne viens pas. Nena, ne me laisse pas, s'il te plaît, Nena. Nena, écoute-moi. Ne t'approche pas de moi, je refuse. Je ferai tout ce que tu voudras, Nena, s'il te plaît, écoute-moi. Je ferai tout ce que tu voudras, Nena, s'il te plaît. Nena. Ne t'approche pas, je refuse. Ne t'approche pas. Nena, s'il te plaît. Nena, laisse-moi t'aider. Mary. Nena. Où es-tu?
Diana, qu'est-ce qu'il y a? Aimerais, je n'en reviens qu'est-ce pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Aimerais, je ne crois pas. Tu n'arrives pas à y croire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. C'était Obina qui avait fait. Mais qui a fait quoi? Allez, vas-y, parle. C'est Obina okay, alors, qui l'avait fait. Calme-toi, ok? Respire, oui, respire. Allez, parle maintenant. Quoi? C'était. Oui, je t'écoute. C'était Obina. Vas-y, parle. Mais qu'a-t-il fait? Parle. C'était Obina qui m'avait violée. Obina! Hey! Donc c'est lui qui t'avait violée. Attends, comment est-ce que tu le sais? Il a confessé. Hey! Il a confessé. Il m'a dit. Hey, Obina, donc c'est lui qui t'avait violé. Oui. Où est ce fou? Où est passé cet idiot? Je ne sais pas. Où est-il? Je sais pas. Dis-moi. Allez, attends-moi, je reviens. Obina! Obina! Reviens, s'il te plaît, reviens. Mais fais pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? S'il te plaît, je n'arrive pas à l'expliquer, mais apparemment, c'est comme s'il pleurait. Ah, tu as raison. Je me demande ce qui ne va pas vraiment avec lui. Et alors, si c'est quelque chose concernant Nena? Oui, tu as raison. Il est vraiment fan d'elle. Je pense que rien de mal n'est arrivé, oh. J'espère aussi, oh. Ah, d'accord, vraiment, on fait ça. Faisons ceci, ok. D'accord. Aimerais. Obina, qu'est-ce que tu fais là? Aimerais, écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je sais que je ne mérite aucune pitié, mais s'il te plaît, je t'en supplie. Je l'aime beaucoup. Ah! Si tu mentionnes à nouveau le mot amour... Regarde-toi, tu aimes une fille, pas qu'une simple fille, une aveugle. Obina, tu n'as pas eu pitié d'elle, tu l'as violée, hein? Aimerais, ce n'est pas ça. Écoute, je sais que j'ai tort. Oui, je sais que j'ai tort. Mais je suis prêt. Je suis prêt à souffrir pour le reste de ma vie à cause de ces erreurs. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, arrête. Arrête-moi ça. Hein? J'étais assez écoutée. Comment est-ce que je ne t'ai pas vu venir? J'étais distraite. Toi, Obina, que tout le monde connaît. Comme coureur des jupons, tu as débarqué de nulle part. Tu as soudainement développé de l'attachement envers Nena. Oui, je pensais que c'était de la charité. Parce que tu avais pitié d'elle. Mais sans, je le regrette. Parce que finalement, je vis ton visage. Ton vrai visage. C'est ça, n'est-ce pas? Mais Renan, ce n'est pas ça. Écoute, c'était l'esprit du diable. Hein? C'était l'esprit du diable. Aide-moi à lui parler. S'il te plaît, c'est ton amie. Je crois qu'elle te fera confiance, s'il te plaît. Dégage, Obina. Aimerais, je suis désolé. Obina, dégage! Aimerais, écoute-moi un peu. Obina, va-t'en. Aimerais, s'il te plaît, non. Aimerais. Casse-toi. Aimerais. Aimerais, écoute-moi, s'il te plaît. Aimerais. Hey. N'importe quoi. Aimerais. Tu es toujours là. Ok, attends-moi. Aimerais, non, ce n'est pas ça. Que je te voie encore chez moi. C'est ça. Ne viens plus chez moi. Violeur! Obina! Pars! Pars!
encore avec ta malchance. Insensé. Idiot. N'importe quoi. Ah, mon Dieu. Quelle malchance ça. Hein? Tu sais qu'il la suit partout pour la supplier. Il la supplie. Hé, hey, remercions Dieu car la vérité a éclaté. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à propos de son attraction envers Nena. Obina a maudit son père et je suis très déçue de lui. Il lui demande maintenant de la pardonner. Qui peut pardonner ce genre de personne? Je ne pense pas après avoir commis tel genre de bêtises. Je ne pense pas, oh. Si c'est pas ainsi, l'enfant qu'elle porte lui pardonne. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est ce que je ne sais pas pour le moment. Tous les mal que les hommes font, ils paieront pour ça. Bam. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Qu'est-ce qu'il fait là? Emere? Tu avais dormi ici? Oui, j'ai dormi ici. Mais pourquoi? N'est-ce pas que je t'avais demandé de t'en aller? Emere... Je n'arrive plus à vivre de cette manière, Emere. Je n'arrive plus à vivre de cette manière. Hein? Je suis tourmenté tous les jours. Hein? C'est pourquoi je suis venu te voir pour lui parler. S'il te plaît, aide-moi. Hein? Obina, ce que tu me demandes est très difficile. Je ne saurais pas. C'est vraiment difficile. Emere. Non. Emere, écoute, s'il te plaît. Je ferai sincèrement tout ce que tu voudras que je fasse. S'il te plaît. Je suis à genoux, s'il te plaît. Hein? Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Tu es la seule personne à qui elle se confie, s'il te plaît. Je t'en supplie, Emere, s'il te plaît. Obina, s'il te plaît. Tu dois t'en aller. J'ai pas envie que ma mère vienne te trouver ici. C'est très tôt pour ce genre de choses. Ok, je vais partir. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu vas lui parler, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en sais plus, s'il te plaît. Obina, tu dois t'en aller, hein? Je n'attends que tu l'acceptes, s'il te plaît. Ma mère est revenue. Emere, s'il te plaît. Je sais, je m'en vais alors. Je vais causer avec elle, je te le promets. Merci beaucoup. Merci, Emere. Merci beaucoup. C'est bon, juste, va-t'en. Je vais causer avec elle. Merci. Merci, hein. Oui. Merci, hein, Emere. D'accord, bye-bye. Bye. Hey. Mais un instant, et s'il avait changé pour de vrai? Il a passé nuit ici. Je crois que je dois l'aider. Après tout, elle est enceinte de lui. Nena.
Sais-tu qu'Obina, hier, il avait passé nuit chez moi, dehors? J'étais très étonnée quand je l'avais vu en sortant dehors. Nena, je crois qu'il est vraiment désolé de ce qu'il avait fait. Il a changé. C'est suffisant pour que je lui pardonne? Hein? C'est suffisant pour moi de lui pardonner? Oh, Nena, nous sommes des humains. Et nos destins sont différents. Peut-être que c'est ça ton sort. Tu parles de sort? Hein? C'est alors quel genre de sort? Que je devais rencontrer un homme dans une circonstance pareille? Hein? Non. Non. Nena, arrête d'être difficile. Eh mais oui, je ne veux plus en parler. Hein? Je ne veux plus qu'on en parle. Nena, tu as besoin d'un homme qui te soutiendra psychologiquement. Hey! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as? Je sais, je ne sais pas où. Je n'ai pas compris. Attends. Ah, ouais. Hey, désolée, ok? Désolée. Juste, Nena, tu vas bien maintenant? Es-tu sûre d'aller bien? Ça va, hein? Ça va. Oh, désolée. Nena, tu vois ce que je te disais? Accorde-lui une seconde chance. Laisse-le entrer dans ta vie. Tu as besoin de lui. Et surtout dans ton état. Tu as besoin de soutien. Et pas n'importe quel soutien. Un soutien psychologique. Un soutien émotionnel et financier. Mais oui. S'il te plaît. Je ne veux plus en parler. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh, je t'en prie. Obina a changé. S'il te plaît. Laisse-moi. Hein? C'est vraiment important pour toi. S'il te plaît. Ne mentionne plus cette histoire, s'il te plaît. N'en parle plus. Bien. Chioma. Chioma. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, je crois que je suis malade. Tu crois que tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Bien. J'espère que ce n'est pas ce que je suspecte. Maman, toi avec tes idées, mais qu'est-ce que tu suspectes? Chioma. Es-tu enceinte? Hein? Chioma, qui t'a enceinte? Qui t'a enceinte, Chioma? Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Maman, maman, c'est... c'est mon petit ami. Lequel? C'est lui que tu connais. Le musicien. Cet idiot avec qui j'étais vu l'autre jour. Maman, c'est pas un idiot. C'est un futur musicien. D'ailleurs, il est mille fois meilleur que ce misérable violeur. Hey! C'est à cet idiot que tu t'es soldé? Maman. Ah, c'est raté? Hey, oh! Oh! Je dois te corriger pour cet acte. Maman. Je viens te soumettre comme toujours. Oh. Hein? Maman, non. Pourquoi tu veux arrête, me couvrir de honte maman, dans ce village? Maman, non. Bébé, dis-moi, c'est quoi le problème? Dis-moi, hein? Parle-moi, c'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? De qui? C'est quoi cette question bête? Dis-toi bien sûr. As-tu oublié tous ces oguiers que tu me faisais manger? Qu'est-ce que tu dis? Écoute, sûrement tu as perdu la tête. Est-ce que je te connais avant? Dis-moi, est-ce que je te connais avant? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Écoute, ne blague pas avec moi, ne blague pas, je n'aime pas ça. Hein? Tu ferais mieux d'aller chercher qui est le responsable de ces bébés. Ce n'est pas moi.
Hein? C'est quoi ton problème? Est-ce que c'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre? Iziou, attends. Mais où est-ce que tu vas? Ah, c'est quoi ça? Je t'ai dit que je te connais pas. Iziou, mais laisse-moi tranquille. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est vraiment à moi que tu t'adresses? As-tu oublié comment on les faisait tous les jours et dans toutes les positions, en bas, en haut, latéralement? Tu étais ravie pendant qu'on le faisait, alors les résultats, elle a la grossesse. Thioma. Tu dois prendre l'entière responsabilité de ça. D'ailleurs, tu dois venir payer la dot. C'est ça, tu dois payer la dot. Thioma, je vais te dire un truc. Je vais quitter ce village. Pour toi et ta famille, vous êtes vraiment un blocage pour moi. Alors je vais quitter ce village pour... Bah, pour... non, tu te trompes. Izuwanse, tu mens. Ah, tu n'iras nulle part. Tu dois prendre l'entière responsabilité de cette grossesse. Tu ne dois pas t'en aller. Laisse-moi là-bas. Hein? Qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Non, qui va m'arrêter? Viens me toucher, je vais démolir ton visage. Izu? Oui. Izu? Izu? Laisse-moi tranquille, laisse-moi. N'ose pas me suivre pour tes bêtises là. N'ose pas me suivre, je n'aime pas ça. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer? Hey! Idiot, si tu t'en sors vivant, remercie les ciels. Sinon, dis bonjour à ton père le diable une fois que tu seras en enfer. Espèce d'idiot. Nena. Emery? Oui, je suis venue avec Obin et ses amis. Bon après-midi. Bon après-midi. Nena, comment tu vas? Je vais bien. Tu es sûre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Précisément, ils sont venus te demander, pardon. Nena, s'il te plaît, pardonne Obina, notre ami. Il est vraiment désespéré. Oui, pardonne-le. Il reconnaît qu'il a mal agi. Hein? Obina, notre ami, a mal agi, oui. Mais ça nous a fait mal quand il nous a raconté ce qu'il a fait. S'il te plaît, il le regrette énormément. Pardonne-lui, s'il te plaît. Nena, je suis sincèrement désolé pour tout ce qui s'est passé. Je suis très conscient de mon erreur. Et au même moment, tu es la plus belle rencontre que j'ai faite de toute ma vie. Oui, Nena, tu es la plus belle rencontre que j'ai faite de toute ma vie. Et si cet incident ne s'était pas produit, je me demande si j'aurais pu rencontrer quelqu'un comme toi. Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et je vais sacrifier le reste de ma vie à cause de cette grossesse. Que veux-tu dire? Nena. Je vais passer le reste de ma vie avec toi. Voudrais-tu m'épouser? Hum? Hmm? Oui, épouse-moi. Je t'en supplie. Épouse notre ami, s'il te plaît. Hmm? Il pouvait ne pas reconnaître son tort. S'il te plaît. Nena, s'il te plaît. Obina ne peut pas rester dans cette situation. Allez, Nena, dis oui. Oui, dis Nena. Oui. Dis oui. Épouse-moi, Nena. Épouse-moi. Deviens ma femme. Et laisse-moi être ton homme. Pour toute la vie. Nena, qu'est-ce que tu attends? Dis oui. Voudrais-tu passer le reste de ta vie avec moi? Laisse-moi être ton guide.
Oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Ah, oh, voilà. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nena, qu'est-ce que c'est? Amène de l'eau. Apporte de l'eau. Apporte de l'eau, s'il te plaît. Apporte de l'eau. Viens avec de l'eau. Apporte de l'eau, s'il te plaît. Apporte de l'eau. Nena, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Nena, c'est quoi? Hein? C'est vrai? Hein? Je vois un peu. Nena, est-ce que tu peux me voir? Tu peux me voir? C'est moi, oui, Obina. Oui, je vois un peu. Ah, c'est vrai qu'elle peut voir, c'est vrai qu'elle peut voir. Nena. Oh mon Dieu.